Et hop, CTRL V, hop. Bon, j'espère que ça vous a plu. Petit jeu à découvrir comme ça. Bon, sur le Game Pass, comme j'ai dit, ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça passe le temps. C'était mieux la petite découverte de tout à l'heure. Après, faut voir pour l'aspect multi. Ça a l'air sympa quand même. Ouais, de faire ça avec des poteaux, ça peut être marrant quoi. Ok. On va se mettre comme as. On va lancer. Point, comme tu dis. Vite, 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 vite. On va se mettre un petit coup de zic. Ok. Oh. Bon, event des Anglais sur GTA, j'arrive. Merde. J'ai pas vu. Attends, mais c'est pas grave. On y sera dans 2 minutes pile poil. J'arrive, je vais juste me prendre la bouteille d'eau. Un, deux, c'est mieux avec le micro? Oui, c'est mieux avec le micro. Je m'évite le son du jeu. On est pile poil à l'heure. M. Ok. Hop. Tenue officielle. Petite lunette. Montre. Cagoule. Faut pas que ça me trigger. Tranquille. F1. F1. Ouais. Si Patoun d'être venu. T'inquiète, je suis là tout pile. Merci à toi. Alors, hop. T'es en retard, frérot, ça fait un moment qu'on t'attend. Et yo, Juan, ça va ou quoi? Ouais, toi, Patoun, franchement, je suis pas content là, mec. Hein. Ça fait une demi-heure qu'on t'attend, mec. Hein. Ça va barder, ah, je te le dis. Terrible. Ouais, ça me saoule, on est fatigué, c'est toujours les mêmes qu'on revoit, frérot. Les autres, tu les vois jamais, ils viennent une fois tous les X, ils viennent juste pour se marrer, puis ils se cassent. Et c'est nous qui devons les vendre, c'est nous qui devons les faire les trucs, tout le bordel. Voilà, pousse ton coup de gueule là, pousse ton coup de gueule, allez. Pas les mêmes qu'on voit, gros, j'en ai marre. C'est ça, voilà. Bah, on va se préparer de toute façon. Et là, sortez, préparez, sortez les véhicules et les Shirakan, parce qu'en fait, ils m'ont envoyé direct les mêmes instances sans réunion avant. Ça fonctionne comme ça les Anglais, frérot, ça fait un mois qu'on bosse avec eux, ça fait un mois qu'on est habitué. Comment tu m'expliques qu'à personne? Ah ouais, c'est des enculés, je te jure. Nickelé. Ils étaient pourtant partis faire Il caca, revient. il a pas dû terminer. Je pense. Donc moi je vais en reparler, pas pour l'instant parce qu'il est pas très bien émotionnellement, mais je reparlerai à Charlie, mais le Woods, le Steve et le Jay, c'est d'or. Bah le Steve il est en vacances, tu vois. Il était pas censé revenir. Le Jay il est pas en vacances par contre. Le Jay il a jamais parti en vacances. Le Steve il était pas censé revenir? Ah si, au bout d'un moment, mais si, oui. Tu sais déjà. Vacances, ouais. Moi, pendant ce temps-là, j'ai trois indés qui attendent, ils sont chauds patates, ils sont présents en ville, ils sont là,
Ils sont polis, courtois, frérot. Eh non, bah évidemment, eh non. Bah même moi j'ai des mecs qui voulaient rejoindre des indirects. Ça me fait chier que j'ai pas accès à cette tablette, hein, mon vieux. Est-ce que je peux te garantir que j'aurais été plus drastique par rapport à ça? Faites plein des bagnoles, coupez les moteurs, amusez-vous. Aïe, aïe, aïe. J'attends les infos, je vais aller fumer une cigarette. Ok. Vas-y, fais gaffe. Qui a chaud pour revenir aussi. Quoi? C'est une blague là. Juan Perez, non? Ah oui, c'est Juan Perez et Kim là, les gars. J'ai deux indés qui sont super chauds pour revenir. Franchement, on les prend, frérot. La vie de ma mère, pas de problème. Mais excuse-moi ça, mais qu'est-ce qui t'arrive vestimentairement parlant là? C'est incroyable. C'est incroyable, ouais. T'as pas encore vu, hein? Ah non, c'est pas celle-là. Putain, là, ça pète là, ça pète, tabasse. Donc, mec. Ah, il me met trop bien. Allez, petite musique, on a l'event. Hop là. Bon, j'ai pris le flingue, mais je prends pas de balles. Ouais, ouais, ouais. Pour les Anglais, du coup, on est 4. Le mec doit aller bosser, ça fait 3 jours, il a pas été. Enfin, non. Au moins, on est 4, c'est déjà ça. J'ai pris le flingue sans munitions, on est d'accord? Ouais, parce que les Anglais, ils aiment pas le tir, donc pas de tir. Ah ouais, pas de soucis, pas de soucis. Nickel, pas tout le tueur. Oubliez pas, les gars, quand on va arriver dans les autres tenues OP, vous mettez le même masque que Patoun et moi, ça fait vraiment classe. Avoue que ça donne un style quand même. Vous avez pas ma tenue? Problème, chaque, fois que les, chaque fois que les gens arrivent comme si, ça et qu'ils nous regardent, ils disent putain, les gars, vous faites peur. C'est vrai. Vas-y, je mets ma tenue OP, attendez. Alors, pas tenue OP. je vais te cogner. Je suis en tenue OP. Et enlève ta putain de coupe de cheveux. Bon, je vais retourner dans ma bagnole, je fais une cigarette. Vas-y, vas-y. Vas-y, viens. Vas-y. Non, non. Ah, viens, vas-y, fais pas la tête. Non, ça va. Oh là là. Bien. Toi. Ça va, lui, tranquillement. Bon, ça va. Non, non. Bon, normalement j'ai la réponse pour le Belize fin de semaine là, fin de week-end. Incroyable. Bah ouais frérot. Ça va, t'as l'air d'avoir la gueule dans le cul là. Non, non, c'est juste en gros une poursuite. Ah. Il a dit j'étais nul. D'ailleurs, t'as vu, j'ai semé et du coup, après, voilà. Tu connais la suite. Ah, machin, machin. Il dit vrai, Manu, hein. Je confirme, hein. Mais me dis pas ce que j'ai. Hein. Commencerait pas à me faire passer pour le méchant. Aïe, aïe, aïe. Donc là, on est 4 et Mehmet il est parti au taf, ça? Ouais, parce que Mehmet ça fait déjà au moins 3-4 jours qu'il est pas venu au taf. Ouais, donc pour éviter tout problème, valait mieux qu'il y aille. Ouais. Mais toi, les Jay, il est. En fait, tu vois, en fait, là on a un bon exemple, tu sais pourquoi? Parce que l'événement avec les enquêtes, t'as vu, c'est tout le temps au dernier moment. Tu sais, on est prévenu genre ouais. 15 minutes avant. Et tu vois, quand on prévient les gens, je sais pas, un jour avant, il y a tout le monde du monde. Mais tu vois, quand on prévient pas, hein, y'a plus personne, frérot. Y'a Sun Père. Pareil, j'étais là, Sacha, il est super sympa, mais elle est presque jamais radio, j'ai l'impression. Je sais pas. On sait pas où sont les gens. En vrai, pour le moment, restons soudés pour le DOS, et puis après, on verra bien, quoi. Il y a une vente aux enchères des Tijuana.
Les Tijuana? Ah ouais, vas-y, je suis chaud, j'ai de la thune à défoncer. C'est quoi? C'est pour des véhicules, des armes? C'est quoi? Non, puis Tijuana, c'est Orga, ça. Ouais. Et c'est véhicule, arme, c'est quoi? C'est arme. Ah, arme, oui. Drogue, je pense, c'est comme ça, non? Moi aussi, je vais y aller. Oh, maximum 3 personnes. Pouah, la merde. Attends, j'ai demandé à... 3 personnes par team? Ah ouais. Ouais. Du coup, on va le faire ou pas l'event demain? Il est reporté à soit lundi, mardi ou mercredi. Il y a un truc dans l'intranet, tu choisis. Ouais, mais je crois qu'il a été accepté. Ouais. Ouais, il vient d'être réaccepté. Vous savez que les gars, quand j'ai vu ça, je pensais que c'était notre dossier qui était accepté. J'avais même pas lu, j'avais pas bien lu. J'ai vu vous êtes accepté, je fais wesh. Moi demain soir du coup je pouvais déjà pas être là. Ça j'ai prévenu il y a début de semaine là. Attends, j'ai demandé à Chum si on y va pas nous trois la vente aux enchères. Juan, Manu et moi. On a de la thune là. Bah oui, vous avez de la thune, moi j'ai pas de thune pour y aller hein. Ok les gars, mettez vos armes. Ok. Vos armes, armes blanches ou bordel, rendez-vous à leur villa. Chacun un véhicule ou... Toutes armes blanches ou bordel. Ferme. Ouais. Demain il y a une vente aux enchères. Les Tijuana, est-ce qu'on pourrait y aller Manu, moi et Juan? Pas les talles pour une vente aux enchères. Et avec nos talles. Vas-y, conduis. Avec nos talles, c'est possible, c'est pour ça que je voulais. Ouais, donc pas d'armes blanches, pas d'armes à feu, rien du tout. On va y aller ensemble, vous me dites quand vous êtes prêts, on démarre. Putain, mais c'est pas vrai! Je me suis arrêté à 4 mètres derrière toi, frérot, vraiment. Mais oui, mais c'est pas à toi que j'en ai. Non, j'arrête. Tu veux conduire, frérot? Conduis. On y va avec notre thune, justement. On doit les attendre vite fait. Vas-y, parce que c'est 3 maximum, c'est bon ça. Ça va ou quoi, Manu? Ça va, toi? T'as l'air de faire la gueule là, qu'est-ce qui se passe là? Non, rien. Vas-y. Manu, t'es d'accord ou... Me dis pas, y'a rien là. Menteur. On pourrait même descendre Michel à 15, je pense. Bah après faut voir si ça vaut le coup hein. Ouais, faut être intelligent, faut être stratégique. Tant chier sur les trucs que les gens achètent pas. Les gars, moi faut que je monte dans le véhicule peut-être. Attends. On se donne rendez-vous là-bas, on vous attend devant. Attends mais attends. Attends, y'a ça. Mais je peux pas monter. Putain, non, il arrive, il arrive. C'est où ça les anglais toi? Ouais hein. Ouais. Voilà, et t'as mis c'est là-bas en haut là. Ouais. Merde. Ah, t'as l'air mort frérot là. Non, ça va.
Tu me diras ce qui va pas, mais t'es chafon là. C'est où c'est ou pas là? Hein? Ah ok, nickel. C'est qu'on va à leur villa là, hein? Ouais. Ok, ok, royal. Wouh! Oh non! Ah, Par là, putain. T'inquiète. Tracasse. Si tu veux que je conduise, tu me dis, hein. Non, ça va. Ça va pas tout? Ouais, ouais, ouais. Mienne, on va sortir synchro ensemble quand les Anglais sortent. Une paragon qui l'a. Ouais, ouais, ouais. Garde-toi perpendiculairement à la mienne. Attends, on va se mettre bien. Mets-toi à gauche, mets-toi à gauche. Un peu plus vers la gauche. Toi. Tu fais quoi? Tu lui fais une marche arrière de truc. Dans la colle pas trop, sinon les portières vont s'en va. Attends, bouge pas, bouge pas. Et quand les Anglais sortent, on sort de nos bagnoles. J'ai un couple de moteurs. Ouais, barre ici. Ouais, barre ici. Non, barre, je suis occupé, frère, je sais pas. Je suis vraiment occupé. Je suis désolé, mon frère, pourquoi? Non. Oh putain. Et c'est pas grave, on en a plus. Dépose-la par terre, on en a plus. Jette-la. On en a plus. Je t'en redonne, on en a eu. Tu veux, je t'en redonne. Ouais, t'es un peu loin, je suis con. Ah, y'a quoi? Je sais pas. Attends, non, c'est Barry qui est au téléphone. Les gars, Barry, il a son truc de police, il a ramené une machette. Hein? Je te jure. What? Ah, Barry a son truc de police, il a ramené une machette, mais c'est totalement. Enfin, c'est illégal la machette de la police. C'est pour ça, j'ai dit de déposer par terre, je en redonnerai une. Ouais, t'as bien fait. Non, il tient pas une semaine, non. Tu penses? Les paris sont ouverts, frérot. Non, SNS, Airsoft. Donc quoi? Les sentinelles classiques, ça vaut 130 000. La classique large, c'est 80 000 en occasion. La normale. Alors là, je pourrais pas te dire. C'est de la merde, la normale. Vanda Uzi. C'est quoi ça? C'est un Uzi, c'est un Uzi. C'est Uzi, c'est le chanteur, c'est pour ça. Il faut genre. Ah. Ouais, t'en as qui manquent de ressources. Toi, t'es sur Blitter, toi. 2 70 6 8 2 2 70 6 8 2. 250 le Dauzi. Non, là, c'était. Attends. Pour le numéro de téléphone. 2 70 8, j'avais dit quoi? 8 6 2, ouais, c'est ça que t'as dit. Oh, prends-le à 500 minimum. Attends, je vais demander là. Il répond pas. Il vient de mettre l'annonce. C'est un mec qui donne un appel. Tu penses bien, à mon avis, t'es pas le seul à appeler là.
Je vais supprimer son tweet. Ah, ou alors il s'est fait attraper par ailleurs. Oui. Ah non, c'est bon, il est encore. Quoi, il répond plus? Oh non. Rappelle-le, Manus, s'il en appelle avec des gens. Sûrement. Je croyais que t'étais gros. Putain, est-ce qu'il y avait qui ce soir qui répondait pour les... Il y avait les Raven et TBM. Enfin, donc il y a que nous trois en fait. Akab, Raven, TBM. Tu sais en quoi ça consiste ou pas encore? Ouais les gars, je peux vous dire déjà ce qu'on va gagner. On va gagner deux speedos, les TV vont gagner aussi, les Raven, non? Oh le call. Moi je dis on prend tous les speedos, on les tabasse tous. Et tu les pisses dessus. Ah merde, c'est le ça mauvais fait, numéro. Vraiment bien la custo requin en fait sur la Taligator. Quand j'aurai les sous, je tiens ma perso. Tu le fais à combien ton truc? Bah dis-moi ton prix hein. Eh répète le prix Manu, répète le prix dans son temps. Moi aucune idée vraiment. Pour ça je veux savoir les prix. Comment ils m'emmerdent les gens comme ça frérot. Ah de fou hein. Ils vendent un truc, ils se disent oh donne-moi un prix. De fou, de fou. 700 000. Et tu le fais à combien toi? Oh bah Dieu, tu sais des bits. Tu le fais à combien? 600. 18500, je prends maintenant. 500, 18500. 500, je te prends maintenant. Ouais, voilà, après, il va monter à 100. Ouah, c'est un peu cher, hein. Ça m'avait trop vu. Demande-lui, c'est quoi son dernier prix, dernier prix? Il négocie bien. C'est quoi ton dernier prix? Ah ouais? Non, c'est un peu cher. Tu peux me le faire à... Non mais ton dernier prix vraiment. Répète le prix ton sensé. Parce que 600... Ah 600 c'est un peu cher. 550 Sam c'est bon ou pas de bon? Ouais 550 c'est correct. Et... 550. 530 allez. Tu peux ou pas? Ouah, ouais, mais... Ouais, je le prends maintenant. Maintenant. 530. C'est bien, Manu, j'aime ce que tu fais. 550, là, oui. 550, tu peux pas. Le bâtard. Non, désolé. Ah, je peux pas. Je peux pas monter au-dessus. Vas-y. Vas-y. Toi, tu peux être sûr, c'est du Shane ça. Sans Manu, sans Mante, demain il y en aura en plus. T'es sûr, demain il y aura des Uzi à la vente de son chef. Non, je peux pas. 550, c'est mon dernier prix. Je peux pas monter au-dessus. Ouais, j'ai un budget, tu vois. Non, arrête, mais non, je connais mon frérot. Frérot, je sais, elle a combien la prod? Elle a 400 000, un truc comme ça. Bah oui, mon frérot. Mais frérot, je l'ai aussi, mais jamais c'est 500 000. 510 000. Lui, il a même pas eu la production, frérot, il a eu dans une caisse. Il a de mentir. Ouais, je sais pas, mais ouais, non, moi je peux pas monter. Non, je peux pas monter dessus. 550. En vrai, 550, ça reste un bon prix quand même. Il m'a dit vas-y. Bah, vas-y, go, va le chercher et je monte dans la voiture à côté. Mais tu le veux ou pas, Sam? Merde, c'était pour toi, quoi. Bah, non, mais moi je le veux pas. Je vais faire avec un UCI. Bah, moi j'ai rien à faire des UCI, moi. C'est quoi ce bordel? Moi j'ai un sérieux ami. Bah non, moi j'ai rien à foutre.
Ouais, ça va ou quoi? C'est qui eux? Ouais, Shirtle, Shirtle. C'est quoi comme groupe ça, les gars? Akab? Akab, Akab. Ouais, ouais. Oh, Harry Potter! Ça va, Harry Potter? Vous avez changé de stickers, non? Wesh, bien quoi? Bah, sur l'Audi, ouais. Ça va ou pas? Ouais, je t'en supplie, ça va? Non, salopard, elle sort du mécano, putain! Harry! Oh putain, non. Ouais. Je vais faire un truc, dis à papy genre qui m'a attendu, je vais vraiment faire un truc, c'est sinon je pourrais pas être là après. Du coup, Sam, t'y vas pour le bail ou pas? Bah non, je m'en fous. Ok. Bah ben, moi, moi j'ai écrit c'est pour toi. Mais non, je pensais moi j'ai négocié pour toi, mec. Mais non, mais moi je l'aurais... Ouais. Après, limite, t'aurais pu acheter pour le revendre, ouais. Ouais, non, jamais. Attends, mais la production elle a 510 000! Ah ouais, hein, elle a 510 000! Sérieux? Lui, j'avais une caisse. Ouah, 550, je peux me faire 54 dessus. Hein. Ah ouais, alors je peux te faire 54 dessus direct, ça, hein. Même plus, je pense. Attends, attends, j'appelle un collègue. Peut-être s'il le veut. Putain, comment il s'appelle? Oh, attends. Ah, j'aurais eu l'étal, je t'aurais dit direct oui, hein, mais. Parce que j'ai un pote à moi, il a eu un Uzi pour 400k, pour mon dog lock. Ah, ouais. Ouais. Son prêt, il répond pas là. Ah, peut-être qu'il en. Il en. Comment ça s'appelle? Eh, les gars, il... Imaginez les Raven, les gars, ils sont 10. Ils vont pas gagner un seul speedo. Mais faudra. Comment on gagne les speedos si on peut pas utiliser d'armes? Comment on les pète? Oh non, à mon avis, on va se taper dessus. Ouais. D'accord. Hein. Bah, bien soigné, sans armes, frérot. Ah ouais. Sans non, armes. Ça... Pourquoi tu sors une botte? Ah, oh, c'est vrai, j'ai oublié. Putain, t'es vraiment. Oh, trop. liquide, c'est bon? Vas-y. Ouais, ouais, bah, ouais, bah. Vas-y. Ouais, ouais, mais dit, il m'attend à la pause. Eh, je change de téléphone. Non. Ok, bon, je l'ai. Hop, je change de téléphone. Dis-moi. Je t'appelle pas. Oh, dis-lui, non, appelle-le, dis que t'es une galère. Grosse galère, celui-là, il laisse tomber. On est que sa mère, attends, Non, dis que tu t'es fait PO. Bah, techniquement, je peux pas trop le faire, mais après, ça dépend, c'est quoi la somme. Et tu lui envoies un message, tu mets PO et c'est tout. Oh, ouais. 40 000, ouais, après c'est du 35%, frérot, je te cache pas. Ouais. T'as les gars, bonjour, j'ai activé ma caméra là. Ah ouais? Dinguerie. Et je vois Manu, je le vois à travers son masque. Je suis pas là, je suis en event, frérot. Je te rappelle. Tu l'as activé pour l'event? Non, mais pas ma caméra, tu sais, ça genre, regarde. Ah. Et vous, Famelu, je te vois là, toi, ton masque. Bah, toi aussi, je te vois. T'as des yeux, ouais, mon frère, ils sont de tes orbites. Mais pas t'as un. Fintoff, s'il te plaît. Attends, Patoun, bouge pas. Oh, Patoun, laisse tomber tes yeux. Je suis à travers toi. Oh, est-ce que je vois? Je suis dans tes lunettes là. Attends, je. Ouah, wow, pas tout une gueule. Pareil, je vous laisse rentrer vos véhicules et vous vous garez sur la pelouse à côté des TBM. On a vu. Ça marche. Ok. Et du coup, pareil, il y a... Oh merde, bah attends. Où ça? On monte dans la bagnole, grosse merde. Coller le véhicule près du mur, ça fera l'arbre. Vous collez vers le buisson le cul de vos véhicules. Il
que j'envoie la pause dans le groupe. C'est à qui? Top, 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 dis-lui que j'envoie la pause dans le groupe. Les comment dire les c'est moi qui ai sorti, j'ai sorti et après Non, mais je vous ai dit. Non, mais il y a des véhicules. Est venu. Qui? Ah bah il passe sur cette une. Faudrait qu'ils se rapprochent les messieurs là-bas hein. Je mords pas hein. Tu m'as dit quoi? Ça débranche. Oh, trop drôle. Mais pas tout de suite. Oh là là, arrête. Non, toi, t'as déjà. Si tu veux, son âme, noisette. Elle me met derrière. Ah ouais, papy, il m'a fait une odyssée. Ouais. Je l'aimais. Mais pas tout de suite, non. Non. Bah, c'est pas grave, fais-lui un petit rappel. Vous avez tous été chercher des armes. Vous en avez une pour moi? Moi j'ai un. Je suis trop content! Un, si tu veux, genre, est-ce que le point américain c'est le. Oui, ça tue. Oui, ah. Oui. Moi j'ai le marteau des Reinhardt. Point américain, lampe torche. Venez, venez, on va de l'autre côté comme ça on les entend. Marteau, venez. J'ai un doute hein. Toi Sacha radio? Non, ça tue pas. Bon, attends, est-ce que j'ai ça? Vas-y, essaye sur Raven. Ok, j'ai la. Un des Ravens. C'est pas les plus forts. Un des Ravens. Trop tard, hein, trop tard. Ouais, si, bah, il a posé sur le groupe, tu peux nous rejoindre là s'il te plaît. Bah, on fait le avec Raven, laisse-toi voir, au pire on appellera un tulip. Je vais même mettre le tacos. T'inquiète, mais viens vite s'il te plaît, ça va commencer. Attends, on dégrave, il fallait pas d'armes, pas d'armes blanches. Non, pas d'armes blanches. De quoi? Bah, pourquoi ils ont dit. Aucune arme ou pas? Aucune arme. Hey, ça va nous taper au marteau. Ouais, vous allez comprendre. Pas d'armes blanches. Jess, que tout le monde est soigné? Ouais, bien sûr. Ouais. Yep. Soigné. Tu veux pas être tapé au marteau, je peux te taper à ça, hein. Ça va être. Oui. Ah. Plus rapide, je pense. Ok, parfait. Je vais vous expliquer ce qui va se passer. Je vais offrir radio parce qu'il m'emmerde à débiter. Du coup, vous allez rentrer par équipe du coup, dans un entrepôt qui dispose d'un labyrinthe. Vous allez avoir un certain temps pour vous cacher à l'intérieur. Il y a des mecs qui vont vous chasser. Le plus de gens qui resteront de chez vous, plus vous gagnerez de points. Donc effectivement, plus vous êtes massif, plus vous avez de chance. Dans un certain sens, la difficulté qu'il y a, c'est que nous, on connaît les lieux et pas vous. À part certaines personnes. Ouais, c'est un entrepôt à nous. Avec un labyrinthe à nous. Mais c'est un temps à partie qu'on doit tenir, c'est ça? Vous avez un temps à partie à tenir. Ok, et on peut s'enfuir, on peut bouger et tout. Vous pouvez vous balader à l'intérieur. En vrai, vous avez un étage, il y a un étage en plus, il y a des pièges. Vous pouvez tomber, faites gaffe à vous. Ah, vous allez passer équipe par équipe. Mais... Non, vous n'êtes pas coincé. Okay, okay. À partir du moment où vous êtes au sol, parce que vous vous êtes fait taper, vous êtes au sol, vous restez au sol. Et on vous dira dès que la fin de manche est terminée et vous pourrez ressortir. Les soins seront payés à nos frais. Vous aurez le droit du coup à, vu l'heure, une manche chacun. Et on verra si vraiment il y a une égalité pour en faire une last où on met tout le monde dedans. Et ce sera le dernier qui tiendra. Je pense que pour l'équitabilité de chaque équipe... les Ravens, il y aura sûrement que 4 de chez vous qui vont. Sinon, vous mettre. Ah ouais, non, on peut pas mettre. Non, 5, on mettra sinon, plus personne de... qui arrive. Après, au pire. On mettra plus de murders selon combien ils sont. Ok. Comme ça sera plus compliqué pour eux. Même s'ils sont plus massifs, en fait, on sera plus contre eux. Wow, au pire, comme ça, tout le monde qui est. Je viens de rentrer. Je vois pas comment ça.
Mais Bram, je ne veux pas que tu participes, toi. Non, mais non, mais moi, je vais me changer. Je vais réellement te focus, hein. Je vais réellement te focus, mais d'une puissance. Non, non, vas-y, arrêtez de tout vouloir me focus. Et tu as voulu me faire chier chaque nuit, etc. Mais là, mais je vais me faire un mal en plaisir à te focus, hein. Sachez bien sûr que vous n'avez pas le droit de vous défendre. Vous pouvez juste courir. Mais pas le et dès que le temps est terminé, vous serez au courant. Non, mais t'as bien fait. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, yes, mais j'ai une petite question. Ouais, je t'en sais pour la puissance. Si jamais il y en a un qui me court, je m'enfuis. Bah oui. Ok, d'accord. Et tu te donnes pas. Maintenant, s'il arrive à te rattraper ou s'ils arrivent à te paquer, bah force à toi. Sachez qu'on aura la VAR à l'intérieur si. Vous en profitez pour vous relever et repartir. Sachez que vous disqualifiez instantanément votre équipe. Ouais, donc en gros, on sera pas mort. Une fois qu'on est KO, on reste à terre et puis voilà quoi. C'est ça, vous restez à terre et dès que vous entendrez quelqu'un vous dire que c'est terminé, vous pouvez vous relever et revenir jusqu'à la sortie. Ok. Comme je vous ai dit, cherchez bien, il y a des impasses, il y a un étage. On va faire commencer du coup, comme ça on va mettre tous les gars de chez nous. On va faire commencer les Ravens. Ça, c'est pas drôle. Attention, Bram. Je suis pas prêt. Hein? Je te dis, je t'adore même, moi j'aurais jamais osé les gars, faire ça. C'est qui veut ma tenue, les gars? Du coup, je vous laisse tous nous suivre, s'il vous plaît. Je vais te suivre. Ah merde. C'est quoi un peu le truc, la capitale? En gros, on va être dans un entrepôt, ils vont nous chasser, on n'a pas le droit aux armes. Et en fait, dès qu'on est au sol, dès qu'ils nous ont trouvés et qu'on est au sol, faut rester au sol quoi. Mais sinon, en gros, le but c'est de se cacher, de ne pas se faire attraper, de tenir le plus longtemps possible. Voilà. Genre, en gros, on peut pas bouger dès qu'ils passent devant nous quoi. En gros, dès qu'ils passent devant nous, s'ils t'ont pas vu, tout va bien. S'ils t'ont vu, faut que tu cours quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ok, j'ai le droit de courir. Ouais, t'as le droit de te barrer. Ok, et de me replanquer. On laisse combien de temps pour tenter de se défendre, Lia? Ok. Fait quoi, on laisse 3-4 minutes? Pour qu'on chasse? 3 minutes? On se planquer. Bah, regarde, ils sont nombreux. On va faire un truc. Ok, on va faire un truc. Vous préférez 3 ou 4 minutes pour chaque groupe? De survie. De survie. Ah, de survie. Chaque groupe. A vous de choisir. Bon, 3 minutes. 4. 3 TBM. Vous avez dit combien, elle va pour 3. Ça sera 3 minutes à vous défendre. Je vais rentrer à l'intérieur, je vous laisserai sonner. Du coup, les Ravens, je vous laisse une minute pour vous cacher à l'intérieur. Et puis, force à vous. C'est bon pour vous? Ok. Allez, force. Mettez tous un truc, on peut se coucher. Mettez tous un truc, on peut se coucher. C'est tout de suite. C'est quoi le truc à toi? C'est quoi ton bail? Ouais, c'est bien ce qu'elle fait. Ouais, c'est bien ça. Moi c'est slip. Moi c'est slip, les gars. Out, ça. De quoi? Attends, ok, slip. On a pass out au sol. Tu peux pas lui demander si on peut esquiver ou pas en faisant ça? C'est un peu abusé. Ouais. Ça a pas été prévu, c'est bon. Comment, quoi? Bien, je vois. Sacha, monte-moi une fois le tien. De quoi? Ouais. Monte-moi le tien. Nickel, c'est quoi le tien? C'est quoi ça? J'avoue, le tien il est trop bien. Pass out. Comment c'est écrit? En gros, il y a un autre combo qui est en. Ah bah oui, qui est décoré en labyrinthe et on doit se cacher, on doit tenir le plus de temps possible. T'en as plusieurs qui t'es déjà éliminé. Ouais, je te jure, t'as kiffé, frérot. Alors, c'est qui que je vais focus là entre vous? Plouf. Une boule. Ouais, frérot, c'est vrai. Lève les mains, voilà frérot. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'était quoi ça, frérot? Et tire sur mon doigt, frérot. Attends. Vas-y, tire sur mon doigt. Arrête de mater mes fesses, s'il te plaît. Arrête de mater mes fesses. Non, mais vas-y, Sacha, vas-y, fais-toi plaisir. J'ai tep sur son crâne. Du coup, j'ai toujours pas la même réponse si on peut esquiver. Hein.
Ouais, hein, je pense. Genre, oh, c'est ça que c'est con. C'est vraiment chippant. Hein. Ouais, là, ils prennent déjà toutes les cachettes d'histoire. Les gars, de toute façon, vu qu'on est peu comme l'autre crew, il faut être juste bien plus malin, quoi. Regarde, qu'est-ce que tu lui fais, qu'est-ce que tu lui fais. Tu cours, t'as vu, tu fais ton truc. Ouais. Et moi je suis sur Tu sais, dans un souci d'équitabilité, ils auraient dû nous mettre avec l'autre groupe en équipe, en fait. Ah, de ouf. On pourrait leur proposer, non? Vous pensez pas? Non, laisse tomber, dis rien. D'accord, ils ont d'accord. Truc, ils sont contents de nous taper dessus, c'est bon. Ok. T'inquiète pas, tout, mais l'idée est très bonne. Ron, j'ai une idée. Attends, ça s'appelle Ron, comment, en plus, tu veux pas partir en dépannage et tu te rejoins? Ah, mais... Ah, ok. J'avoue que ce serait pas bête. J'allais dire, on est tous cassés, genre rapide, tous les groupes directement, tu vois. Non, ouais. En fait, c'est par groupe, je pense. Non, c'est par groupe, ouais. Ouais. Ok. Ah, ça. C'est 3 minutes de survie par groupe. Ce que j'allais dire, ils prennent toutes les cachettes, là, c'est chiant, tu vois. T'as n'empêche, je revois l'entrée de Sacha, mais elle entre ici, mais... Oh, incroyable. Bon, elle s'est pas pris la tête, normal. Si tu veux t'amuser. Ah ouais, mais gros, mais c'est... Enfin, franchement, je crois que c'est parce qu'ils nous aiment bien, sinon on aurait pris un blâme. Je sais pas. Ah, j'ai vu non, franchement, j'adore, j'ai vu la musique. En fait, j'ai vu la bravardo arriver, je vois la couleur, je me dis, oh putain. J'ai pas attendre 10 millions devant une porte, il claque, ça va. Ah, madame, ça va. Yo, ça va, ah, ouais, vous ça va. Il est pas là, le crâne chauve. Ah. Brenda non plus. Non, Brenda, elle est pas là. Elle est pas là, Brenda. D'accord, ok. Lève les mains, madame, s'il te plaît. Non, ouais, lève-les-moi, on vous braque. Si on te braque. Madame, on te braque, regarde. Je vais tirer dessus. Ne bouge pas à tirer, hein. Ne bouge pas à tirer, hein. Parce que c'est vraiment. Okay, j'ai un otage. Nickel, allez. On demande une rançon, Les gars, j'ai un otage. Ah, crème glacée. D'accord. Attends, je remets mon masque, sinon ils vont me reconnaître. Comment tu vas, Peter Hens? Non, c'est pas Peter, frérot, c'est Heinz Peter, c'est la même chose. Non. Ouais, c'est pareil. Non, il est masqué comme pareil. Tu reconnais. Oh, je suis masqué. Ah, je l'ai vu avant. J'ai un otage, là. Tire sur mon doigt, là. Ah non, je peux pas. Je tiens 10 000 dollars, mais qui c'est? Tire sur mon doigt. Vas-y, tire sur ton doigt, vas-y, je veux l'entendre, la détonation. Fais gaffe, je vais tirer. Ah, je vais tirer. Je vais ouvrir le. J'ai une vraie canache qui coffre, là, au bout du doigt. Ah oui, tout ça. Ah, en vrai, gardez l'otage, Bolden. Je suis en train de m'afficher une pichette, mais je sais pas quoi. T'inquiète, tu verras une fois sur place. Ouais, voilà. Enchanté, bienvenue. Attends, on vous donne une tenue. Par contre, t'es pas tombé. Sacha, t'es pas tombé sur un connard en CP ce matin, là. Ok, on m'a dit. Non, c'est bah si. Genre en mode même. Voilà, nickel. Genre, ils sont même, quoi, c'est cantine, même plein ça, dans le midi. Les policiers, ils ont un truc de discussion, genre. Des pizzas. Ouais. Il a dit qu'il en a marre d'attendre, etc. Genre, il faisait que de se plaindre en mode. Oui. Il en a marre de son boulot. Non, enfin, pas marre de son boulot, mais genre. Non, c'est trop chiant. Ok, d'accord. Ah ouais, bah, alors que moi, j'ai vraiment passé une heure à l'hôpital à ce qu'on me mette. Non, mais en vrai, c'est bon, là, c'est bien. Tu dois pas marcher, t'as vu, on est là. Ok. C'était la journée. Ouais, pas de bol, quoi. Et pas tout, non, là, j'ai de la chance parce qu'il peut même se prendre une sanction. Genre. Parce que, en gros, il est comme sur un mandat d'arrêt. Mais il a oublié de me mettre. Genre, il a oublié de me mettre des amendes. Ça. Genre, il a pas regardé quand il m'a dit. Ah, les bâtards! Ok, bah heureusement. J'entends, hein! Bah heureusement, sinon je me serais pris 200 cas d'amende. Ouais, j'aurais pas aimé. Gars, ah, bah pourquoi vous m'avez donné aux ACAB, s'il vous plaît? T'as voulu aller leur parler, t'en fais un otage. Eh, hey, tu m'as dit quoi, Sam? Enlève ton sac pour le camouflage. Ah oui, ok. Ah ouais, bah voilà, tu vois. T'imagines 200 cas d'amende, ça m'aurait fait mal. Hein. Bah ouais, c'était FF là. Je vois le truc. Aïe! Bon. Dans ton malheur, t'as eu de la chance, quoi. Oh, requin, viens chez les Anglais maintenant! Viens chez les Anglais maintenant, requin! C'est moi qui appelle la radio. Oh putain, t'es con! Bah non, tu vas rester avec nous, t'es bien maintenant. Non, mais je crois qu'on négocie avec Juan, il va arriver en mécano, les gars. Je crois qu'il y a un policier. Non, il va bien avec nous. Ma vie. Regarde. Madame, vous appelez comment? Aïe. J'appelle 065. Et moi, c'est Sacha. Sacha. Alors, ça, je crois que elle a confondu. T'inquiète, elle est un peu à l'ouest des fois. Mais elle est super gentille, tu verras, tu m'en vas bien avec. C'est franchement, c'est une perle. Regardez Instagram, ma soeur, j'ai l'impression. Voilà. Oh! Regarde, elle a la même couche de cheveux que toi. Attends, je me retourne pour que tu puisses la voir. Eh, vous les pensez tous comme ça, les ACAB? Comme ça, les Anglais, dès qu'ils sortent, on est mort. Franchement, à fond. Vas-y, hein. À fond. C'est quoi la bagnole qui arrive? Mano, tu me récupères ou pas? Je vous jure, il y a Juan qui va arriver en mécano, les gars. Est-ce que tu me récupérais dans ton groupe? Ouais. Non, c'est trop tard, Mano. Moi, ça m'a donné aux ACAB.
trop tard, Mano. Lance-toi, je sors. Mano. Ah non, non, je peux pas. Mano, comme t'as comme. Non, t'inquiète, me mettre, c'est une blague, c'est en train. J'ai un problème. Manu, tu t'es devant ou pas, Ron? Devant. Ok. Comme tu veux. Une pause, là, fais un appel. Mais vous êtes vraiment des enculés. Pas un appel. Vous allez souffrir, vous allez perdre l'événement, voilà. Oh yo yo, ça dit la terme, ça dit la terme. Ça fait bon. Attends, c'est laquelle celle-là? Ça se fait pas. Pass out. Oh ouais. Non, c'est pas moi. Ah merde, j'ai fait un tronc. Non? Je ferai pas SVP. Moi j'ai mis besoin du meilleur mécano, Juan. Aïe aïe aïe. Tu veux un truc, attends. J'ai un truc. Non, c'est pas ça. C'est la villa des Anglais. Patoun, c'est laquelle ta danse foireuse? Attends, là, c'est là-dedans là. L'événement? Ouais, c'est dans l'entrepôt là-dedans. Drill mail. Ah, mais je crois pas. Je pourrais faire. Je l'ai. T'es sûr? Ah, je suis au okay, top. Ouais, là-dedans, on avait déjà fait un événement bah, la fois dernière avec eux. Tu mets ton. T'as tenu OP? Sauf qu'ils avaient arrangé un ring de boxe et on devait tous se taper dessus. Quoi? Oui. Et pourquoi c'est tombé sur les gagnés? Parce qu'ils étaient ah ouais, plus nombreux que nous, donc du coup, bah, on s'est fait. Tu veux pas? Incroyable. Mais là, c'est mon poulet, on va gagner. Oh, mais t'inquiète, tu viens avec nous maintenant. Je crois qu'il y a. Sacha, t'as pas un cuir pour madame là? Sacha, t'as pas un cuir pour. Ah, t'es chier, merde. Ça m'a fait chier. Parce que du coup, au pire, on leur fait une blague, je te pose par terre, tu m'évites le cuir. J'ai pas de deuxième cure, je peux pas s'en acheter. Oh, mais si, si, j'en ai un, si, j'en ai un, j'en ai un. Oh, yes, vas-y. T'as dit quoi? Je viens de penser que c'est insulté, ma race. Bah, non, toujours pas, c'est toujours pas notre groupe de passer. Ok, vas-y, j'arrive. J'en ai rien à foutre. Voilà, ma cure. Je vais mettre fin à mon service si j'arrive. Salut. Ah, la meilleure tenue en fait. Mais j'assomme de moins. Incroyable! Je vous jure, au moins les gars, vous savez, c'est pas des tricheurs. Elle est belle, Mathieu. Merci, Mathieu. Ok, toujours fait un deuxième coup, donc un cul. Non, bah du coup, je te reporte alors. Ah non, c'est bon! Oh! Je crois qu'il y a la plateforme olympique. Ouais, bah j'avoue. Je crois qu'il y a. Je crois qu'ils en ont pas fait ce... Arrêtez ceux de qui veulent prendre des avis des rameuses. Ils sont en train de dessiner le programme. Ça s'appelait comment? En vrai, de vrai, les gars, ça pète sa mère. Juste, genre, mettez la musique. La musique et tout. Genre, bien fort, tu vois. Pourquoi la musique bien fort comme ça. Oui, moi la musique je l'avais full. Mais parce que tu l'as pas mise. T'es out, ça veut dire c'est à terre. Ah bon, bah force à lui. Mia, faut te niquer. Tu te relèves. Ok, du coup, il y a combien de blessés chez vous? Déjà là, il y en a 4. Incroyable. Regarde ce que je fais. Il y en a 5. Vous en avez 5. Donc vous avez 4 points. Ouais, vous avez 4 blessés, donc vous avez. Ouais, vous avez 4 points. Parce que vous êtes les 4 non blessés. Et vous étiez combien à l'intérieur? On était presque autant, non? Je crois, ouais. Vous étiez plus que nous. Ouais, vous étiez plus que nous. Non, on a pu se réunir avec PTB. Okay. T'as noté les points? Non, attendez, j'ai un problème. Ah, y en a qui passent à travers la ville. Ouais, ils ont 4 points pour les Ravens. Ouais, mais les blessés pas. J'ai vu ça, c'était peut-être un nouveau masque, les gars. Attends, non, c'est bon, c'est au TP. Ah, vas-y, oh, c'est bon. Salut Manu! Tu sais qu'il est quoi? Il est juste TPH. D'ouvrir la ville. Voilà, mais tu sais, je l'ai plombé tout le stylé. Ouais. C'est quoi ton TPH? Non, tu sais rentrer par derrière, ton. À côté de la villa, tu sais rentrer par derrière. C'est incroyable, mais mettre en uniforme de mécano. Vous les gars, vous savez que vous êtes Gucci. Hein. Vous êtes full black comme ça, vous êtes Gucci pour l'intérieur là. Ouais, vraiment, on est bien. Ouais. Essayez vraiment de mettre vos détenus, genre vraiment black, et ils vont pas vous voir. Hein. Ah, mais ils vont vraiment pas vous voir. En fait, à l'intérieur, si tu te colles bien, genre en gros, essayez de rester, genre montez pas en haut, c'est mille. Genre les gens qui sont montés en haut, ils sont tous fait péter. Après, t'as vu, genre peut-être que vous allez avoir plus de chance. En tout cas, nous, les gars qui sont montés en haut, ils sont tous attrapés. Regarde la technique. Cache la voiture. Ouais, c'est bon, il y a pas rien. Je peux t'atténuer au pêche. Oh, mets ton masque aussi, mets ta masque. Mets ton masque. Ta masque. Mais c'est pas la lit de Santa Rosa, elle. Bonne question. Quelqu'un peut me porter, s'il vous plaît. T'es où?
Ou je fais pas ça vers la vie. Alors c'est comment? Oui. Il y aura d'autres manches? Tu kiffes l'horizon? Ouais, chaque fois faut que tu enlèves parce que c'est vraiment... Nice, wow, incroyable. Moi ça fait chier parce que j'ai les cheveux longs. Ouais. Mais t'as pas une... Mais tu veux une pince à cheveux? Bah l'autre coupe on voit plus. Ah ouais? Par contre les gars, j'aurais dû faire plus de vélo, je te le dis. Ah ouais? Ah faut courir beaucoup. Ah putain. Ah c'est trop bien. Ces trucs là ça me fait trop. C'est devenu Mehmet. Ah mais il est parti faire dodo. Ouais 4 minutes ou 5 minutes ça aurait été drôle. C'est qui? Manu. Ah merde putain non. Si mais il a dit qu'il partait faire un dodo. Moi j'étais comme ça dans les nuits. Il arrive tranquille. Je crois qu'il y a un autre qui nous espionne. Quoi? Oh merde. Viens on le PO. J'ai monté aux anglais, j'ai pris mon 9 mm avec. Viens on l'entoure, entourez-le, protégez-le, c'est le VIP. Protégez-le, protégez-le. Touche lui les fesses. Tu vois le point de bâton. Alors restez dans le buisson pour Eddie qui sort de la des trucs pour nous appeler, on sort tous du buisson. T'as par contre toi avec ta queue de cheval blonde derrière là c'est goldé. Après tranquille parce que en vrai si je m'allonge comme ça, oh la wesh on me voit pas. Oh nickel. Oh c'est quelle horreur. Mais comment on écrit SL? Je me vois pas. C'est bien ça. J'aime pas. En vrai, on est bien ici. Oh, mais c'est quoi ce bordel? On me voit encore moi. Là, où est-ce que je suis? Vous me voyez-vous? Non. Non. Putain, mais mec, wow. Vraiment, t'as acheté le masque comme nous, là. Attends, bouge pas. Bah non, je veux pas, moi, le masque comme vous. Cache-toi. Pourquoi tu le veux pas? Je veux pas, moi, le masque comme vous, moi. Pourquoi je le voudrais, oh? Bah, je sais pas, je demandais, frérot, c'est quand même plus classe. Ron, le meilleur truc comme ça. Ah, c'est quand même plus classe, c'est toi qui le dis, ça. Hein. Ah, et à la base, c'était que les gradés qui devaient le prendre, ça, non? Non, on l'a adapté pour tout le monde. Ron, meilleur truc comme ça. Pour l'événement. Cache-toi dans le bouchon. Mais prépare-toi un truc comme ça. Non, cache-toi, c'est notre buisson, revendique ce buisson. Non, revendique ce buisson, les gars, revendique le buisson. On revendique. Fouillez, c'est revendiqué, là, fouillez. C'est la salle barois, c'est la salle barois, les gars. On a peur, on se cache. On a peur un de vos gars là. On a peur un de vos gars, ça va partir en couille, on va le buter. on va le tuer, on va faire des choses sales. Il est bien. Oh les TBM. Oh non. Oh les TBM. Quoi ça sent la pisse là. Oh les TBM les gars, ils sont éteintes. Putain, qui a pissé? Qui? Mais vous étiez où? Il y a deux blessés déjà sur les TBM, ils ont 3 points. Putain les gars, faut qu'on fasse au minimum 5 points. Ouais. Déjà faut qu'on gère de ouf. Attends, mais faut avoir beaucoup de cardio ou pas? Non. Oh ok. 3 bah ils sont déjà à 2 points les gars. Donc en gros minimum 5 quoi. Ouais, si on veut gagner, c'est minimum 5, sinon parce qu'on finit en mode chaussée. En gros, faut rester quoi. Enfin, le plus en gros, il y a qui doit faire des faut, n'oublie pas, possible. Faut pas aller en haut, je crois. Ouais, c'est ce qu'il a dit, c'est cramé en haut. Oh, les gars, ils ont un point. Bon, miskin. Wow. Et les Raven, ils avaient combien? 4 ou 4, ouais, donc il faut faire 5. Eh les gars, on a notre coup à jouer là. Allez. Allez, les gars. Ah, cab. T'étais où quand j'étais en haste, quand j'étais seul dans la thèse? T'es où quand j'ai arrête de me pousser, sac à crotte. Regarde, il me cherche. Bah alors les ACAP, on a peur. Non, c'est notre buisson. On revendique le buisson, là. Ok, on se barre, les gars. Faut venir. Ah merde, on y va. On vous a encerclé, il y en a je sais pas combien de chez vous qui sont tombés à cause de ça. Vraiment, vous êtes trop cachés proches. Attends, je crois qu'il faut que papy rentre dans le truc. Merde.
Faut sonner. Eh, regarde, hey, regarde, c'est le docteur Green, frérot. Ah ouais. En fait, c'est un examen pour la prostate, on est baisé. Mehmet, c'est Mehmet, c'est un examen pour la prostate, regarde ce qu'il y a sur la porte. Ok, je vais vous laisser rentrer. Par contre, ça, je kiffe. On est baisé, c'est un examen pour la prostate, ça, je te dis. Quand tu veux la prostate. On a combien de minutes pour se cacher? Il faut sonner. Une minute. Une minute, oh putain. Oh putain. What? Oh ouais. Allez vous cacher les acteurs. Oh, c'est quoi cet endroit? Oh merde, oh, mais hein, mais c'est pas ça. Allez toi avec tes collègues. J'ai mal à... Allez, flocon. Accélère les gars. Oh ouais. On va continuer. Allez, c'est tout noir. Un verre de noir. Ah, j'ai perdu le noir. C'est où? C'est... Mais dégage putain. Je suis perdu. C'est la merde. Ah, c'est mon idée ici. En fait, y'a pas de cachette. Bah oui. Je vais trouver une. Arrête. Ils vont brûler. C'est bon. Je t'ai dit, j'allais t'attaquer. Je t'ai dit. Dessie. Dessie. Non, t'es bloqué. Aïe. Voilà, j'en ai couché un. Une plutôt. Bah alors. Bien joué. Oh. C'est bon, moins un et câble. Moins deux à câble. Plus moins trois avec Raven. Non. Oh putain. Oh, on a justifié. Voilà. Allez, encore un en moins. Ils seraient bien tous tombés là déjà, non? Ah bah lui aussi. Il en reste ou pas? Non. Putain, bon bah on les fait sortir, ils ont perdu. Au moins on a eu les derniers. Tout le monde est mort là. Okay. Attends. Bon bah tout le monde. Trop bien, ouais. Tout le monde dehors. Moi j'ai été chopé, c'est bon, c'est fini. Par où on sort déjà? Wouah. Par où on sort là? Mon chef, lève les mains. Les mains, mon chef. Sors de cet enfer, une merde. Lève les mains, je te sors de là. Lève tes mains, levez vos mains et bougez plus. Mais dis-moi quand c'est fini, non, moi je suis. Je te vois bouger. T'es encore vivant? Je suis encore vivant. Je crois que Ron aussi, hein. Non, ah, c'est fini. Non, je viens de me faire attraper. Oh, les gars, que moi. Oui, ouais. Bah là, c'est là. Fini, hein. Merci. Putain, je suis pas capable. Merci. Ah, putain. J'aurais dû aller en haut. Je suis allé aussi, mais trop tard. Putain, moi j'ai pas mangé de coup de marteau, donc ça va. Oh là. L'astuce, c'est. En vrai, ne restez pas en mouvement. Putain, mais ouais, j'aurais dû rester en mouvement. J'ai fait, je suis resté en mouvement.
Je sais pas si le. Je sais pas si de rester en mouvement c'était la bonne solution. Bah. Non. Bah. Je restais caché et. Pété, hein. Il y a une première où c'est limite, il m'a pas laissé me barrer, et après j'en ai trouvé une deuxième qui était pas mal, mais il m'a vu dans un coin, tu vois. Non, mais c'était chaud à trouver des cachets. De fou, mec. En fait, il y en avait pas, quoi. C'est qu'un peu. Avec un peu de chance, si tu fais pas choper, quoi. Ouais. Bon, bah, je crois qu'on s'est fait. Quitte à se faire choper, hein. On s'est fait exploser. C'est Raven, hein. C'est à cause de Raven, hein, frérot. Je t'ai planqué derrière la table, ils sont passés tous devant moi, puis Raven est revenu. Oh, t'es pas blessé. C'est moi qui t'ai trouvé derrière la table. Ah ouais, salopard. T'as trouvé à 3 derrière la table. Bah, vous êtes passé devant moi, mais personne m'a vu. C'est l'autre qui est revenu. Il a fait demi-tour, salopard. J'ai même pas fait demi-tour. Je m'en suis douté, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, tiens, les ACAB, ils seraient bien du genre à tenter ça. Les salopards. Tu te plantes de venir voir moi, les ACAB aussi, s'il vous plaît. Ah, paquet sur papy. Ok. Du coup, pour ce qui est de la première manche, les Ravens, vous sortez gagnant. Mais la deuxième, je vais vous laisser une chance. Vous allez tous rentrer à l'intérieur. Il n'y aura pas de temps. Ça sera le dernier. Peu importe le groupe, ce sera le dernier qui va survivre, qui repartira du coup pour son groupe avec le deuxième lot. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon pour nous. Si vous voulez balancer les autres, c'est votre problème. Mais genre là en gros il y aura quelqu'un qui va être à l'intérieur et qui va tout voir du coup pour ou alors ça se passe comment pour savoir en fait il y en a un de chez nous juste qui ne qui sera pas un meurdeur qui fera caméra office et il nous dira si vraiment il en reste encore. Il nous dira pas où mais il nous dira s'il en reste. Ok, et ça sera vraiment le dernier de chez vous, enfin de peu importe l'équipe, le dernier en vie qui winera. Il y a un médecin, vous inquiétez pas, il y a un médecin qui arrive, on va vous le payer. Bah tous devant la villa. Vous allez avoir l'opportunité justement de jouer pour le deuxième lot. Allez. Le dernier arrive au portail, c'est une pute. Non mais je suis blessé. Ouais. Bah moi je fais exprès de prendre le dernier, allez. Moi je cours vite. Quoi? Quoi? Je suis pas une pute. Sam va te faire enculer. Les gars, j'ai trop des burgers, regardez, il arrête les coups. Non, arrête. La vie de ma mère, je te sens venir, toi, derrière, casse-toi. Là, c'est trop une hache à vous. Tu peux pas le tuer, c'est bon, les gars, c'est le dernier arrivé. C'est qui le dernier arrivé? Grosse pute, moi, je suis grosse pute. Non, c'est un TBM. Oh, y'en a, il a pris un coup de tiens. Ok, vous tapez plus. Faites une belle ligne comme ça, le MS. Deux par deux, et on se tient la main. Tiens, toi aussi. Allez. Une ligne, pas une colonne, les gars. Une ligne. I love you, Aiden. La tête alors que j'ai un trauma. Ah, c'est vrai, elle a un trauma. Pardon, frérot, c'est parti toute seule. T'inquiète. Je suis un peu tendu là, je viens de me faire défoncer la tronche, tu vois. Putain, je me décale. Ah bah pareil. On aurait dû faire un rang et se tenir la main, on aurait dû aller à l'école. Ah ouais, vas-y. T'es tendu, Natacha? Elia, tu pourrais faire une marée là, la villa. Vas-y, donne ta main. Ouais, franchement, je l'avoue. Donne-moi ta main, tiens, tire sur mon doigt. T'es tendu, Natacha? Attends, je te pince le téton, frère. Allez, arrête, frère. Voilà, là, tiens. Natacha, t'es tendu. Ouais, il a un beau déhanché là. Oh putain, je vais te l'arracher. C'est moi, Natacha, est-ce que t'es tendu, Natacha? Bah, Aiden, c'est en français, ils vont venir à 15, c'est pas grave. Vas-y. Ah, c'est marrant ça. Bouge-moi ce corps. Allez, qu'est-ce que t'attends là? Oh! Je vais la chaîne. Allez, TBM, on est là. Oh. Allez, TBM là, go. Allez, go. C'est. On se fait bousiller, mais on le prend avec bon sens. Ça a pris mon appel. Oui, médecin de Lindor, ils arrivent. Putain, moi j'étais pas blessé là. Oh mais non, c'est pas. Dans cette salle là, là, mon amour de moi. Voilà, t'es blessé. Ah non, ça peine pas. Oh putain. Ah mon amour de moi. Ah la mémoire. Bah, je lève-toi, gros lard là. Dis pas Grolard, c'est pas ce qu'il a vécu. Eh, Mehmet, y'a Mehmet. Oh, y'a Mehmet. Tu sais, y'a Mehmet.
Allez, TBM là, allez, TBM là. Bougez-moi ce corps. Voilà, les TBM, allez. Voilà. C'est la vie. Voilà. Vas-y les gars, dansez, dansez. Dansez, suivez la chaîne, suivez la chaîne. Allez les gars là, dansez là, allez les gars là. La chaîne, les TBM. Allez les TBM là, let's go là. Allez, on suit la chaîne. Ils ont pas l'air contents les TBM. Ah voilà, ah, voilà, 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 ça continue là. Allez, vas-y là, James, on fait suivre. Smooth, réveillez-vous là. J'aime trop ton boule, j'aime trop ton boule de mec. J'aime trop ton style, j'aime trop ton style de mec. Oh, il est éteint. Enculé du Shane. J'aime trop ton style, j'aime trop ton style. C'est pas du Shane qui t'a tapé en style de mec. Si, c'est du Shane. C'est du Shane. Attends, aussi tu l'appelles du Shane. Oh, Didier. J'aime trop ton boule, j'aime trop ton boule, j'aime trop ton boule de mec. Ah ouais, quand tu shakes ton boule, du shake. Ouais. La facile ouais, envie d'être des hippocampes. Allez, vas-y, hop là, je suis un hippocampe, qu'est-ce que tu vas faire, frérot? Allez, les ramènes, tu revendiques. On revendique l'animal, ça va être notre totem maintenant. Eh, du chien, eh, vraiment du chien. Eh, Dishane, viens là, là, Dishane. Oh, il a coupé. Ouais. Il a mangé. Ah ouais, il a testé. Il s'est mangé un coup de poing dans la tempe. Il a voulu tester. Putain, c'est papy sur la casquette! Ouais, c'est bizarre, j'ai pas fait à côté de moi le manon! Oh! Toi, Duchenne, faut que je te montre un truc. Vas-y, montre. Genre, tu vois, j'étais avec ce masque. Oui. Regarde avec une casquette. Oh, quelle horreur! Waouh! Oh, mais quelle horreur! T'as un couteau! T'as un cochon! Attends, et ce masque, attends? Ah, ça, par contre, passe bien quand il y a la casquette. Oui, là, il passe bien. C'est pas drôle. J'ai envie de mettre un Baba Yaga. Eh, attends, un Baba Yaga. Il a juste pris l'appel. What to be, quoi. On a vraiment l'air trop mal. Ah mais faut dire que t'as besoin de lui pour 20 personnes, là il sera motivé. Il y a une histoire de quota aussi. Non, non, il n'y a pas de quota chez Zims. Okay. Après tu le cherches. Hein. Tu prends 150$ par personne. Oui. Mais j'ai rien fait. Okay. T'as raison Duchesne, pète-lui la tronche frérot, pète-lui la gueule, te laisse pas faire, explique-lui. Oh le pauvre. Tu fais un bon petit truc. Oh Mehmet. Ouais, il se fait un bon billet. Oh regarde Mehmet. Mehmet, viens pas là Mehmet. Mehmet. C'est quoi juste cette option? Je suis sous les fesses d'un TBM là. Ah, c'est bon. J'aime trop ton style de. Bah ouais, regarde-le comment il les bouge les fesses de TBM, frérot. Ça, c'est de l'efficacité, c'est de l'action. Ça. Après, il y en a deux qui ont arrêté, frérot. Ça, c'est triste. C'est triste. Il passe au garage, il arrive. Ouais, on s'en fout des crampes, on est là. Mort. Donc attends, il préfère aller réparer son véhicule alors qu'il y a je sais pas combien de blessés. On a mal, on souffre. Ouais, j'ai pris un coup de marteau dans le cul, frérot. Je oui, pas bon, les EMS, ça dépend lesquels, je te mens pas. Quand tu dis que t'es aveugle et que ça va nettoyer tes yeux avec du sérum chi, non. C'est qui avec la tête de citron? Comment ça va, Jordan? Il a passé son temps avec Papy, on a été kidnappé. Ah merde! Ah! Oui, et il manque un œil. Non! Ils t'ont arraché un œil? Montre! Attends, j'ai envie de voir ça là. Mais wesh! Ah, dis-le aussi, mais il a fait l'opération. Moi, c'était foutu. Attends, ah, c'est mort, toi, impossible. Et moi, ils m'ont arraché l'oreille, bon, mais ils m'ont recollé après. Je rachèterai encore demain. Ah, putain, fait chier, j'aurais pu crier dans une oreille sans que tu m'entends. Bon, derrière, de toute façon, vu qu'une oreille en plus, une oreille en moins, on voit la différence. Non, tu sais. Après, même avec une oreille en moins, je te mens pas, je t'entends. Oh, qu'est-ce que j'aurais aimé, l'aurait frappé l'IA sans faire exprès. Non, oh, je vais rigoler. C'est bon, c'est bon. Bram sous sol. Oh du Shane. Il y a Mehmet. Oh il a mis une patate dans du Shane. Pardon. Il va le tuer. Il va le tuer là le mec là. Il va le tuer. Papy. Il est dans sa tête. Oh contre la claque. Oh la tarcha que tu viens de lui mettre. Oh pardon. Oui madame, je peux t'aider madame. Oh merde désolé. Aïe aïe aïe. Ah, j'ai mal, j'ai mal. Je te rassure, même sans ton œil, tu restes beau gosse, t'inquiète. Ouais, bah, il faut. Hein. Bah, ouais, le style, le style. Le Robert. Le Robert.
Le MS il se branle hein. Il est en train de se taper son meilleur tacos. Tu veux moi Harvey Bush? Oh merde. Harvey Bush. Je suis de muscle. Voir c'est quoi tu l'as donné. J'ai donné tout mon argent à l'IA. Oh non. Ah, c'est simple, tu veux parler de blanchiment, tu vas voir l'IA. Fais gentil. Fais gentil comme moi, fais gentil. Putain, il est comme moi, Oh yeah. T'inquiète pas, puis on va te faire un virement. Donne-moi ton compte. Non, mais même pas, non, mais je vais juste vendre ma Lynx. J'ai une Lynx super, je vais te voir. Tu la vends combien? Je sais pas, je regarde. Je sais même pas combien ça vaut. Je vends mon balle RST. Hein. Sinon, on s'intéresse, je vends des paires de menottes, des machettes, des clés anglaises. Ouais, j'en, plein... pas, ça, j'en ai plein la, plein la baraque. J'en plein de trucs. Il est où le MS? Ah, ils sont pas synchro. Ils se la touchent. Oh, c'est triste. Je fais un appel en vrai. Mais je te dis, mais depuis qu'ils ont enlevé cet hôpital la plage, ça, ça pue la merde, gros. Saint-Fiac, ça rend les trop de balles. Oh, du chien. Arrête. C'est vrai que sans l'hôpital plage, caca. Hein. Attends, peut-être marqué ça à la frérot. Oh, du chien. Oh, du chien. Laisse-moi te serrer la bise. Ah, mais non, mais vraiment. Te claquer la bise. Oula. Viens, comme mon frérot. Viens, toi. Oh, la bise. Oh, nickel, on est là. On est là, c'est bien. Tu vois une technique? Oui. Tu vois, là, tu me vois. Regarde bien. Tu me vois? Tu me vois plus? Je le vois plus. Bah, c'est où? Hop, là tu me vois. Putain, mais pourquoi ils sont en train de se marbrer la gueule? Pourquoi ça? Donc là, on attend le MS là? OMG, hein? Mais en fait, le truc, c'est que c'est la bobologie, genre en mode. C'est chaud, genre ils viennent jamais pour la bobologie. Alors, vous pouvez prendre le masque, s'il vous plaît? Ouais. Chaîne! Ah bah voilà. Il est là, c'est... Okay. Enfin. Ah, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, relevez-vous, mettez-vous en ligne s'il vous plaît. Tu viens de mi... En ligne. Venez. Pète de ligne. Alors, mets ton reste à terre. De ligne. Deux colonnes. Pète de colonne derrière vos collègues, devant les colonnes. GMS, s'il vous plaît. Deux colonnes. À la queue le. Merci. Ah, à la queue le. Et vous êtes soigné, carte de colonne. C'est la phase du problème. Ah, c'est pas sûr. Ah ouais, le TBM, les fesses toutes plates, ouais! Oh, ouais, mais t'es habillé comme... Pourquoi t'es habillé comme un prisonnier? Bienvenue à bord, papa! Merci, Serf, pour le follow et bienvenue! C'est le jardinier de la ville! Tu te t'étais là le soir, oui? Ah, tu veux me travailler, gars? Bah oui! Aïe! Elle en pouvait plus! Ouais. Patoune lui-même. Merci monsieur. Ah merde. C'est qui Surfing Game? Et bienvenue. Merci pour le follow. Non, non, de stopper. Merci. Elle fait la mano. T'as réussi à taper des esquives, putain. Oh merde. Ah, désolé, c'était pas voulu. Ça va ou quoi? Un stern. En fait, si c'était un peu envie de mettre les mains, c'était. Merci, bonne soirée à vous. Ah, c'est toi, papa ouf! Ok. T'as pas ou quoi? Ils sont à 5 sur moi, tu veux que je fasse quoi? Ils se tapent entre eux carrément. Si, moi j'ai réussi en vrai. Mais. Tranquillement? Continue de compter, si t'en faut rire, je t'en payerai 27 ou 28. C'est pas le problème, je compte pas. J'ai pas compté. Tu sais quoi, Miss 30, allez. De toute façon, on est que 27, mais Miss 30, allez. Merci, monsieur. Bonjour monsieur. Beaucoup de tasse en ce moment, pas présent du tout. Ouais, bah ouais, j'imagine. Bah, force à toi, mec, hein, pour le taf. Hein. En vrai. Hein. T'inquiète, on fait moult trucs. T'événements, on se bouge le huc, on est là.
On est là. T'es tout silencieux. La circuit est aussi silencieux. Il faut être silencieux dans la vie. Il y a tout le monde qui est silencieux. Ouais, hein, et puis on espère que pour le boss, ah, ça va passer. Ça va, les gars, Inch'Allah, hein. On ne t'entend pas depuis tout à l'heure. Patoun, t'es là, Patoun. Ouais, je suis là. Ah, Patoun, il est chaud, patate, Patoun. Madame, elle est là. Ça va, les gars. Ouais, voilà. Allez là, madame. Ouais, t'es là, madame. On est là, madame. Yes. On se remasque. On est là. Il y a Peter qui bouffe un cul, quoi, putain. J'espère que ce sera un jour. Pourquoi est-ce qu'il s'énerve là? Qu'est-ce que je fais là? Ouais, des bonbons. Peter? Ouais. Bouffe un cul, ce serait trop beau. C'est un message crypté. Eh, j'ai trouvé des bonbons. D'un admirateur. J'en veux, donne-moi-en. Non, j'en ai que un. J'en ai déjà donné un à Didi. T'es raciste. Qui veut des bonbons? Ouais. Moi. Tiens. Ouais, un bonbon, ouais. Fais-en ta gueule. Allez, hop. C'est moi qui l'a eu. Ah non. Ah non. Ah non. Voilà, papa, non. J'ai transmis. J'ai pas dit que c'était Watt, mais... Il l'a eu. C'est moi qui l'a eu. C'est moi qui ai le plus fort. Qu'il l'a eu. Oula. Non, c'est moi qui l'a eu. C'est juste bouffe un cul, ok. Il l'a eu. Moi qui l'a eu. Du coup, Peter, faut juste que tu bouffes un cul. Mais je bouffe le cul de qui? Je sais pas, mec. Bouffe le mien, viens. Fais-toi plaisir. Ouais, vas-y, ton vieux cul de turc. Ah, c'était pour le dossier. Ok, d'accord. Vas-y, accroupis-toi, putain. Ah ouais. Vas-y, mets ta tête entre les deux, vas-y. Ah voilà. C'est bon. Vas-y, viens, Sacha, alors. On va faire je vous laisse vous remettre en ligne, si vous voulez, au même endroit. Putain, le salopard. Regarde comment je me fais. Le dernier arrivé au niveau des entrepôts, c'est une salope. Ouais, j'assume, je suis une grosse salope. Ah, je suis une grosse pute. Oh, mais mec, t'es une grosse salope. Une grosse salope, j'assume. Bah oui, il se passe des choses, mon papé. Eh bah, faut courir un peu, hein. Bon, après, l'event, c'est on se fait taper dessus, mais ça va. Ça va, en vrai, c'est cool. Oh, il y a du beau chewing-gum, hein. Ah, c'est pas moi. Tu peux enlever ton masque, s'il te plaît? Hein? Tu parles. C'est Aiden la salope, hein. Ouais, toi. Ah, ouais, nickel. Ah, j'étais chaud, j'étais encore tiqué, mais... Aiden. Ouais, c'est pas moi. Bon, va falloir... ouais, y'a les AKB, j'ai dit de la merde. Ok, parfait. Je vous laisse vous paquer vers moi, s'il vous plaît. Comme ça, je vous réexplique une dernière fois. Oui. Donc, pour cette fois, vu que vous allez être beaucoup plus nombreux à l'intérieur, je vais vous laisser 2-3 minutes pour vous planquer. Si j'étais vous, ne vous paquez pas, parce que si on vous encercle, c'est fini. Je pense que les TBM, ils en ont fait les frais. Je répète, hein, y a une prison, il y a un étage, planquez-vous où vous voulez. Prenez le temps. Sachez que un de nos gars restera sur les caméras. Dès que vous êtes KO, vous restez au sol, et ça sera la dernière personne qui fera gagner à son équipe le dernier lot. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon pour nous. Ah, okay. Allez, sonnez dans 2 minutes. Attendez, bougez pas. Oh, je vous ai trouvé un truc, maman. Oh, ça va être le bordel. Attendez les gars, le dernier c'est une salope, attendez. Je suis une salope, moi. Moi aussi. Je suis une salope. Je me mets derrière. En fait, ça va être le bordel, les frères. Salope. C'est moi la plus grosse salope. Putain, mais ça pue la merde, hein. Chaque fois t'es coincé, tu sais même pas. Non, j'ai trouvé la prison, moi je vais à la prison. J'aime beaucoup trop ce labyrinthe. Dieu, c'est le meilleur achat qu'on ait pu faire. Et chop direct. Moi je le veux, papy. C'est non. Quoi? Oh putain. Waouh. Mais si c'est un étage, on a le droit, non? Ah ouais, t'as le droit. Attends, je vais me monter, moi. Non, mais c'est qu'est-ce l'étage, faut pas y aller, apparemment. Ouais, mais si, tu peux tomber. Oh oui, très bien, ça. Moi, je veux bien, hein, parce que j'ai pas une possibilité. T'es en noir, les gars, on est habillé en noir.
tu fais ta, tu fais ton petit truc de déco et tu fais un truc nouveau. Genre. Des murs rouges. Attends là, j'ai peut-être un truc. Ah non. Il est prêt à du... Les gars, juste faut courir en boucle, hein. Non, je pense pas. Ah ouais. Ah, t'as plus de chances de les croiser, quoi. Ouais. Sacha, s'il y a un mec. Sacha, ça, s'il y a un mec là qui vient, si tu sautes. Saute en face du lit comme j'ai sauté, ok. Ok. Et à droite, ça. Je crois que c'est, deux, c'est pas. Il a dit qu'il y avait deux étages. C'est ça le deuxième étage? Oui, comment ça, deuxième? Il y a des escaliers, il y a des escaliers sur l'étage. Ah merde! Mmh. Ouais, bah c'est bon, je suis à l'étage aussi. Ah, mais okay. D'où l'étage, les gars? Non, c'est l'étage, on est dans un labyrinthe, mec. On est dans un labyrinthe. En vrai, je suis dans l'ombre là. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Putain, on est en boucle depuis tout à l'heure. Là, hein, en vrai, hein, ça peut passer comme ça. Hein. Bah, ils ont pas bon, on a le droit, sinon, c'est un étage. Moi, je suis dans le noir, derrière le truc. Ça va encore 2 minutes pour vous cacher. Après, c'est force à vous. Je suis sûr qu'il y a un Sam, Krakito Sam, qui va y arriver. Ou... Il y a moyen que ça passe en vrai. Hein. Plus c'est gros, plus ça passe, tu me diras. Eh les gars, moi, je vais juste courir en boucle. En vrai, je me dis que près de la porte d'entrée, c'était le mieux. En fait, ouais, il faut que tu fasses ça. Attends qu'il passe et toi, tu vas vers la porte d'entrée. Je vois rien, ouais, c'est ça. Bah, l'étage, il est horrible. T'arrêtes pas de tomber. Ah, putain, la vie de ma mère. Yo, Xenox, ça vaut quoi? Il y a que des pièges à l'étage. C'est force à vous. Qu'est-ce que moi, je suis revenu à la porte d'entrée, ils sont jamais revenus. Non, trois fois. Où la porte d'entrée? Je pense c'est la meilleure technique. C'est voulu, là. Ah, ah bah d'accord. Ah, on est là, hein. Les gars. Allez, vous mettez de la lumière, vous mettez de la lumière. Vous avez encore une minute, après c'est forçable. Regarde pas, il vous met de la lumière. Non mais... Si vous voyez une grosse lumière, là. Ouais. Les gars, j'ai trouvé un truc. Je pense que Sacha est pas mal dans la prison. Là on est en event, on doit se cacher et je sais pas si je garde la musique mais en fond là. Vas-y, on t'attend. En gros on est dans un entrepôt qui est setup en labyrinthe, on doit se planquer et eux ils doivent venir nous mettre KO. Voilà. On n'a pas le droit de se défendre, on a juste le droit de s'enfuir. Ouais, mais il a été remasterisé. Non, je crois que Manu il m'a même pas vu. Parce qu'avant c'était. Enfin, tu voyais vraiment. C'était pas trop. Enfin, il faisait pas full black. Ouais, mais là c'est vraiment la même. C'est vraiment la même chose. Oh merde. Mais wesh. Oh banger, ça me rappelle un petit souvenir ça, cette caméra là. Ouais, c'est Northampton. Non? Si, il est celle d'en haut, c'est Northampton. C'est le portail c'est... de, ouais, de la banque de Northampton. Ah, ça a tiré ou je rêvais là? Si, mais. Pitié, noisette. De quoi? Mais la villa, sur le PC, papy. Bon, c'est le dernier, force à vous! Voilà, c'est là que je vois. Force à droite. Force à droite. Il y a des pieds là. Ah, il s'est caché comme on peut pas le taper, c'est de la triche. Attends, mais alors toi? Attends, est-ce qu'il... Mais tu crois qu'il t'avait pas vu? Oula! Il parlait de moi, là? Il parlait de mes pieds? Merde. Ils m'ont vu par transparence, genre. Le ACAP, ouais. T'as pas le droit. Pas le droit... Ah, merde. Il triche! Mais non, Jubs! Oh, je t'ai niqué ta cachette. On a vu vos pieds, levez-vous là. Non mais vraiment. On peut courir ou pas les gars? Lâche-moi. Oui, on peut courir, ça le droit de... Lâche-moi. Tu gagneras rien. Tu gagneras rien. Lâche-moi. J'ai pas envie. Voilà. Voilà, vous signez.
Il est mort. Ça se tabasse là. J'ai pris une patate. Esther Miro, il parle plus. British, les British, venez, on est en haut, on est en haut. Plein de TBM, il y a plein de TBM, les British, venez. Tu veux le lien du Discord, Minor? Putain, non. Non. Moi un Akam. Mais les gars, allez au début et non, vous vous accomplissez, c'est normal, c'est moi deux Akam. Bah tu vas sur, tu vois le site là. Allez, bah, sur le site t'as le Didier. Retourne par terre, retourne par terre. Bah je suis mort les gars. Retourne par terre. Oh. Madame, madame. C'est trop dur hein. Cachez, reste cachez. Tais-toi, tais-toi. Sur le site, t'as le lien du Discord, mec. Là, c'est le site. Et dessus, t'auras le radio D. Non, sinon sur Google, tu vas trouver, frérot. Dis pas que je suis KO. Je me sens pas KO. Non, je crois que dès que t'es par terre, non, dès que t'es KO. Expirer le lien. Bah non, ça c'est le lien du site. Comment ça se fait? Attends, on peut simuler, les gars. Ah non, il est pas du tout expiré, frérot. Les gars, simuler. Pas du tout expiré, mec. Vraiment, je viens de le faire. Aïe! Oh putain, mais où est-ce que je suis là? T'es au début? Putain, t'es vraiment une connasse, ça t'a grillé ma pose, toi. Y'en a un qui est coma, si jamais. Je peux pas créer d'invitation. Tiens, je t'envoie ça, mais je peux pas créer d'invitation parce que le nombre limite d'invitations a été atteint sur le serveur. Et c'est que les administrateurs qui peuvent. Voilà. Malheureusement. Donc là-dessus, je peux pas t'aider à part si tu passes par le site et que direct sur la page d'accueil, t'as le lien du Didier, quoi. Les gars, y'a qui encore en vie? Non. Le bras, tu pourras te shooter. Putain, Sacha m'a grillé. Ah bah moi aussi vous m'avez grillé là, les gars, sérieux, pour vous êtes resté tout le temps. Je suis déjà dead, hein. T'inquiète, hein. Putain, t'as tout niqué, t'es passé 20 fois devant moi. Tout le monde s'est fait griller, oui, il en reste encore. Il reste pas tout, je crois, et... Je suis pas pour moi, je peux passer devant non, toi. Non, non, moi je suis dead de chez dead. Ron, dis-moi que t'es pas dead. N'oubliez pas, tous ceux qui sont tombés, restez au sol. Restez bien au sol. Reste au sol, ils te font sortir d'un place. Mais desquels? Il y en a 6 au compteur. Oui, moi. Ok, il reste 2 bleus. Ok. Non, il en reste 1. Je viens de le coucher. Oh, t'es KO? Vas-y, bah on les fait sortir. Les Ravens ont gagné. C'est encore les Ravens. T'es un fou, je suis là, je suis encore là. Attends, j'ai gagné. Dis-leur, ils disent qu'il y a que des bleus. C'est pas fini. Tombez au sol, vous. Un chaque équipe. Allez, Juan. Tu vas y arriver, frérot. Tu l'as vu au top? T'es le meilleur, Juan. Non, il est au top quand il a parlé, j'ai entendu la voix dans. Il parle plus. Il y en a, il t'a balance. Parle plus radio. Et tu le fais, Juan, je le suce. Mais je trouve pas les escaliers pour monter en haut. Les escaliers, mais c'est bon, t'as gagné. Goal. Putain, s'il gagne Juan, BG, hein. BG, on prend le deuxième lot. Incroyable, en vrai, hein. Ah.
fait chialer, Sam. Il y a des patates qui sont parties, ouais, allez. Défends-toi là, bousille-le là. Vous êtes sortis les gars là? Non. C'est pas fini encore. Oh mais ça c'est par là la sortie là. Sur le mur les gars. Pas contact à moi, ça a rien de me manger hein. Là. Collez papy. Faut déjà sortir tous ceux qui se sont fait avoir. Il en reste encore. Je l'ai pas trouvé en haut. Tu sais que j'ai fait le dos, je l'ai pas trouvé. Parce que je suis redescendu. Oh le BG, Juan qui passe au travers là, OMG. Bah oui. Toi t'es sûr que tu fais pas dodo hein. Allez Ron. Qu'est-ce que le TBM là? Je suis au sol dans un coin là. On est vraiment venu pour se faire tabasser en fait. Mais en fait les gars, on est venu pour se faire tabasser quoi. Ouais, clairement. Bah oui. Incroyable. Ce genre de truc c'est trop bien. Par contre, je peux te garantir que l'IA elle a pris elle a dû mettre 20 ans avant de me fumer. Ouais, t'es passé devant. Oh non. Ah non, je te jure, j'arrêtais. Chaque fois qu'elle me mettait un coup de batte, je me mettais à plat ventre. Les gars, je comprends pas. Je crois qu'on a gagné. Enfin, je sais pas, il est sorti de nulle part. Frérot, j'étais dans un cul-de-sac. Non, il est sorti dans un cul-de-sac. Il est venu derrière moi dans un cul-de-sac. Il m'a dit lève les mains. J'ai pas compris. Pas tapé, il m'a pas mis KO. Je crois que. Bah, oh, trop bien. Ah bah, on a gagné, je pense. Bah, GG, mon Juan, GG, mec. Mais par contre. C'est chaud. Sam, je crois que t'as pas compris que moi en fait j'étais au-dessus de vous, j'étais dans le plafond. Oui, moi aussi, j'étais là où j'étais moi, germe. Putain. Pour ça t'es passé devant, on a gagné du coup là. Lâchez-moi. Non, je suis bloqué. Non. Oh non. Oh non. Ah bah si. Le Raven, si je pense que tu peux te remonter et lever les mains. Ouais. Il reste quoi? Il reste un câble, je crois pas. On a gagné non, je crois. Hein? Bah, je sais pas. Bah ouais. Hein. Attends, on fait quoi là? On la suit? T'inquiète qu'ils savent eux si on a gagné ou perdu. Oh merde. Tu peux te lever ou pas? Vas-y, vous pouvez vous lever, on va vous ramener. Bah, lève-toi. C'est terminé là. Ouais. C'est qui Gawin du coup? C'est un cab. Let's go! Ouais, Juan, GG. L'homme de la situation, GG. Incroyable. Eh, sans toi, j'aurais jamais gagné. Mais mec, c'est que je jouerai. Merci. Oh, let's go. Non, mais t'as bien fait, on s'en fout. Ouais, faut... Et tu veux pas changer d'horaire, Juan? Eh, d'ouvre, hein, faut que tu changes d'horaire. Hein. Ils sont en train de râler, si tu les as poucave. Ah ouais, j'ai poucave de TM. Ils ont dit au début qu'on pouvait. Ouais. GG, mes mecs. GG, bro. Putain, c'était énervé, les gars. On va aller bouger les bagnoles avant que je me suis fait avoir trop bêtement. Ah ouais, pas bête ça. Ah bah, trop tard. Non. Il y a ma jugular. Pourquoi je le vois pas? C'est ma bagnole, c'est ma pêche. Bouge un peu là parce que t'as arrivé bien pour fouiller. Normalement le crew vous avez des clés non?
Putain, les caisses sont fourrières. On aurait dû le faire entre deux manches là, en attendant les EMS. T'étais où? J'étais à l'étage, après je suis redescendu. Et je me suis caché dans un cul-de-sac, personne n'est venu. Hop ça, frérot. Ah, il est où, Brahms? Il est mort. Attends, mais c'est vrai, il est coma, Brahms. Moi je crois qu'il y a surtout une charmante jeune femme. Il y a surtout une charmante jeune femme à la batte de baseball qui a dû. Qui a un peu chié pour me dégager. Ah, nous a tous les deux, je suis dans le cul-de-sac, j'ai trop le. Non, non. Wow. Est-ce que là je galère là? Est-ce que là je galère, hein? Je l'ai pas vu venir, mais aïe 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 aïe. Je l'ai pas vu venir, c'est dégueulasse. J'ai un peu mal, mais ça va. Je l'ai pas vu venir, c'est d'anti-jeu là, c'est dégueulasse. Regarde, regarde, ça va lui rappeler quelque chose. Tu t'es pas fait tomber KO? Va tomber KO? Un monsieur de chez vous qui me donne son compte pour les soins. Ok. Bonne soirée à vous tout le monde. Ah ouais. Eh gros bisous hein. Eh tu passes quand? Bisous les Akab. Ouais zo. C'est pas Kader, c'est son frère. Ouais. Putain bah tu l'ensembles de ouf. Aïe. Tu fous pas ma gueule. Ah tiens bah. Darka le frangin Darka ouais. Là tu me. Arrête. C'est mec. Mais c'est dégueulasse. Il est tourné autour de moi là. Aïe. Vas-y fume-le là. Même vous, je vous laisse ramener deux véhicules de transport. Je sais pas où est là Brahms. Il a la tienne, vas-y. Attends, moi je m'entends. De toute façon tu me vois mais tu me vois plus. C'est toujours la même chose. Allez, on va chercher la bravardo, on rentre au quartier, on va prendre des speedos là. Mais mec, tu viens avec moi chercher la récompense. Je vais avec toi. Nickel. Tout ça la bravardo. Merci chauffeur, vous êtes bien aimable. Let's go. Elle a même eu le temps de se réparer. Attends, pars. Ah, il y a quelqu'un dans le coffre. Il y a peut-être une place à l'arrière encore et dans le coffre, ouais. Oh, comment tu l'as éclaté? Wow. Y a deux places. Mais c'est bon, vas-y, alors c'est bon. Ok, mais tout ça, c'est bon, on se garde. Repasse fourrière, comme ça on sort les véhicules fourrières. Bah ouais, saloperie, putain. Vas-y, passe parking là, j'en descends. Ouais, nickel. Parfait. Ouais, j'avoue, GG, hein. C'était pas évident. Heureusement que je l'ai appelé, Je savais que c'était leur. Par contre, les coups de bon événement, ça sert à quoi ce truc là? Regardez. Attends, on a gagné des coups d'événement. T'achètes dans la boutique des trucs. Boutique événement. Attends, on a gagné des coupons d'événement? Non, mais je demandais parce qu'elle parlait de ça. Ah. Mais elle a donné quoi du coup? On va aller les chercher là, je vais aller avec Mehmet et moi, on va venir chercher. Après vous pouvez venir avec, hein. il y a 4 places dans les speedos. Donc... Ah ouais, là c'est quoi, c'est un speedo pour un gagné? Non, on va avec... il faut 2 véhicules transport. Là. Ok, bah vas-y je prends une moto si vous voulez. Ah ouais, venez avec nous, clairement les gars, on est ensemble, hein. On a fait ça ensemble, nickel. Oh putain. Un juste prix là, j'avais envie de faire un juste prix moi, organiser un juste prix avec des trucs à gagner. Ils font chier avec leur lance. Merde, moi j'ai pas mes points. J'évite toujours de me prendre les lance. Ah, même quand t'évites, tu te les prends. Non, là je me suis pas pris. Tac. Et voilà, messieurs. Tu prends la paragon, je prends le vie. Vas-y. Au pire, on arrive quartier, on va discuter. Ouais, la Sherman aussi et tout. Par contre, faudra qu'on fasse un tour sans fiacre aussi. On va pas les faire attendre pour la récompense. Récompense d'abord, ouais, je vois. Encore un gros GG à Mehmet. On est ensemble, on va s'en servir, il a besoin d'un putain. Et t'as vu, elle a pris la mouche, hein. Elle a galéré avant de me mettre KO, hein, je te jure. Attends, KO.
hurler dessus. Ah, oula. Ah là là. Au pire, au pire, donc Mehmet, tu conduis un speedo, enfin Moonbeam. J'ai niqué. Ah bah t'as m'aidé. Vas-y, on se barre là. Attends, 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 allez, attends, j'arrive. C'est quel mec là? Attends, les rejoins où? Villa, villa, villa. C'est pas moi, je t'ai frappé, j'étais trop abattu avec le carabine. On pense Devon, donc on s'en fout. Et puis c'est pas tout ça là. Et vous faites quoi là? J'ai sorti des mobiles là, vous faites quoi? Pour les oreilles? Je sais pas du tout ce que c'est le projet là. Bah je sais pas, je t'aime, tu prends quoi? C'est pas je t'aime, c'est pas tune. Ah c'est pas tune. Ouais, pas de tune. Attends, bah monte avec moi non, c'est deux places dans le truc là ou quoi? Vas-y vas-y, je monte avec toi frérot. Y'a deux places. Je sais pas s'il y a deux places. Ah non non, je crois pas qu'il y a, non, pour moi y'a pas deux places. T'es sûr qu'il peut pas monter à l'arrière? Vas-y, essaye. Essaye, essaye, mais pour moi non. Non, je peux ah, pas. Ah ouais, non, je crois pas. Ah ouais, non. T'as le guetteur blanche? Non, je crois que c'est le groupe. Ouais, les sucés, hein. Ouais, les sucés. Voilà, ah merde. C'est quoi là? Tu prends le Moonbeam là, Hugo? On va aller. Allez, c'est parti. On va faire 2-3 sauts. Attends, vas-y, pas, vas-y, ça va part. Ah, appuie sur le champignon. Putain de merde. C'est qui à côté de nous là, putain, il m'a rentré dedans. C'est Manu, c'est Manu. Ah. Vous êtes devant chez Dougan? Non. Non mais. On va pas en prendre deux speedos, on se retrouve avec trois speedos. On se rejoint devant chez Dougan les gars, ça va? Ok. Je crois que j'ai pas compris. J'ai pas compris où vous étiez. Bon, on arrive devant les Dougan. Ouais, je crois. Oh non, c'est côté. Qui est le code de qui bombarde de ouf? Il est à moi le code. C'est ça, bombarde de baiser. C'est énervé, frérot, c'est énervé. Et c'est où les Dougan? Bah, c'est quand tu vas chez les British avant d'aller dans leur villa là. Hein, ouais, c'est à droite. Avant d'aller dans leur villa, y'a? Viens au truc de golf là. Je suis là, vas-y, viens. Il a pas compris encore, je vais lui envoyer une pause, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Après, j'ai pas bien expliqué, mais tu vois. Il est bientôt minuit, frérot. Ouais, normal, normal, normal. Je vais éclater que sa mère. Attends, là, on a gagné quoi de la première place? Vas-y, Manu, j'envoie une pause, là, vas-y. Bah, t'as gagné le deuxième lot, surtout. Ouais, donc la deuxième place. Mais non, ça devait jouer entre les deux perdants, non? Bah ouais, ouais, parce que là ils auraient pu gagner deux lots. C'est la pose des Dougan. Hein. Bah ouais, je crois. Hein, c'est là les. En fait. Attends, ils pouvaient tout rafler. Ouais, bah, moi j'étais au Dougan, les gars, je crois que vous êtes. Ouais, on va chez les British, mais on se rejoint chez les Dougan. Y'a personne dans les Dougan? J'étais dans l'arrière, je suis là. J'arrive. Ah, ça, elle est vraiment belle, la villa au Dougan. Ah, mais peut-être pas devant eux. T'es la villa en face, là, si, on est d'accord, en face à droite. Ouais, c'est ça. Ah, on va chez les British, pas les Dougan. Oh là là, mais... Non mais ils en peuvent plus. Oh ouais non. Elle va dormir, Moni. J'en peux plus, Moni. Moni prend des chemins irréels. Je t'aime, Moni. Attends, je t'aime. Non, le rendez-vous chez les Dougan, c'est juste pour se retrouver et qu'on aille tous ensemble chez les British. On va les attendre.
Il est toujours à l'ouest, ça me termine. Ralentissez un peu là devant. Aïe aïe aïe. Oh. Franchement, tu peux faire des roues de ouf avec le bois là. C'est qui trop. Papy, je te fais rentrer. Attendez devant. Oh putain, j'ai niqué un British. Okay. Oh putain, j'ai niqué un British. C'est rien, c'est Arnold. Non, mais bien devant, sur la pelouse, bizarre. Ok, vas-y. Go sur la pelouse. Oh. Ouais, je l'ai verrouillé avant. Voilà, ça fait 40 de monde vie. Oh. Vas-y, des bisous, papé. À demain. Il y a un British qui m'a volé un. BN. Bah ouais, pour verrouiller les véhicules, les gars, ça vous sert de leçon, hein, putain. Que ça lui sert de leçon. Bah non, mais il est monté dans mon véhicule direct. Allez, c'est bon. Bah non, mais sérieux. C'est inacceptable. C'est pas la première fois, Manu, c'est pas la première. Mais non, mais sérieux. Oh, c'est bon. Dame, bah j'étais dedans, et il est monté dedans. Ne vous inquiétez pas, j'ai la situation. Aïe. Fais-moi qui fait le quoi, dis-tu là, je suis zéro. On récupère la récompense, ça va aller soigner à Sanfiac et ça va se dormir dessus les frérots. On aura fait un bon stream. Hein. Attends, vas-y. On aura fait moult chauve. À demain les backrooms avec Bébou en full maquillage là, ça va être incroyable du dessus. T'es là mon chef? Ouais. Faudra récompenser ça. Je suis parti avec votre Moonbeam et il m'a très bien arrêté avec son code. On va le récompenser. Je vais le tuer. Ah. Mais. Ça va être. Elle tombe dans le vide. Ah, je tombe dans le vide loin. Ah. C'est bon? Voilà. On demande une rançon, les gars. On demande. Allez, 2 dollars, parce qu'il est gentil. 2 dollars. Ah, 1 dollar. Oh putain. Ah, il contre-braque. Je suis un spécialiste des roues, moi, tout seul. Oh, l'esquive. Allez. Vas-y, fumez-le, là. Fumez-le. Ouais, il m'esquive. Putain. Mets-lui un Baba Yaga, mets-lui un Baba Yaga. Wesh. Allez, t'as quand même rien à foutre. Je vais te niquer. Elles sont où les sommations? Attendez, je vais terminer. Allez, fumez-le là. Aïe. Mais putain, sérieusement. Terminé. Voilà. Hey, tout seul, lui. Oh ouais. Je me fume tous. Oh putain, Sacha, je me suis éclaté.
mordu le sol. Ah, il est revenu. Ah, il a une patate près, hein. Je vais aller lui mettre un coup de moonbeam. Ah putain, il se cache dans son refuge. Enfin, oh, ah non. Et il revient. Oh non. Il revient. Oh merde. Attendez. Ah ouais, Juan, t'as reculé la caisse, ça va? Ça va bien, ouais. Mais ce que je veux dire, je suis en mode biker, ce que tu vois. Je vais voir, c'est bien ça ou pas? Ah ouais. C'est énervé, frérot. Ouais, c'est pas mal du tout, hein. Ouais. Attention avec ton truc. Le meilleur était pas là. Je crois que t'as pas encore. Tu t'es pas encore fait taper dessus assez, je crois. Viens, serre-moi la bise, tiens, claque la bise. Et puis je te rappelle qu'on s'est tous fait défoncer trou de balle, donc en deux patates tu nous couches. Le meilleur était pas là, c'est vrai. Ah, il faut que j'aille faire du vélo. Le plus solide. Il faut que j'aille faire du vélo. Tu veux pas de cardio? Plus solide ou pas? Tu veux que je te prouve? Si, j'ai du cardio, mais pas assez. Il faut plus, toujours plus. Attends. Moi j'ai beaucoup de cardio. Oh. What? Est-ce que vous arrivez à faire ça ou? Et tout sur Juan. Je vais te niquer. Et tout cet enfoiré, je vais le niquer. En termes de... Oh pas l'audi, putain, pas l'audi. Arrêtez avec l'audi, putain, fais de chier. Oh, je vais te casser les couilles. C'est qui votre lead? J'ai jamais vu. T'aurais dû voir ça l'anglais. J'ai eu un coup de la nuque, j'ai défoncé. Voilà. Oh putain. Solide des accueils. Aïe! Oh putain, il a niqué l'anglais! Oh putain, défonce-le! Je me casse! Tiens, allez! Oh, voilà, je sais pas ce que t'as voulu! Oh putain, les gars passent leur temps à s'enculer là! C'est pas toi. Ça. Ah merde! J'ai raté un truc. Allez, c'est bon. Eh, mais vous allez pas finir par vous tuer là, vous foutre sur la gueule à coup de poing? Non, t'inquiète. Allez, niquer. Oh merde, putain! Ah merde! Non, arrête! Ah, me tape pas! Arrête avec tes Baba Yaga, toi, c'est pas son culé! Ah, ça fait trop mal les Baba Yaga!
Ils sont où, Audi Moonbeam là? Non, 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 mais putain! J'ai ramené la Moonbeam là, la mélodie, il est où? Il est parti, il est parti avec, il est parti avec. Mais pourquoi moi j'ai fait quoi? Moonbeam il est dans la maison. Qu'est-ce qu'il meurt, Sacha? Oh, stop, 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 c'est bon, arrête là. Non, non, ouais. Pas dans ça, bro. Ouais. Y'en a une, elle a tout compris. Oh, oh putain. Tu t'attendais pas ça, je t'en remarque. Salopard. Culé là, je vais te fumer, Manu. Attends, on a gagné quoi là? Oh, ça va, vous êtes bien. La ligne, c'est quoi la ligne? Oh, ça la ligne, c'est de la bonne cam. Ah oui. C'est bien ça. Incroyable. Oui, oui, oui. Ça en... Il y avait qu'un seul Moonbeam qu'il fallait ou il en fallait deux? Okay, bonne question, faut demander à. Faut demander à mission. C'est bon, on peut se barrer. Là, je sais pas, il a dit. Hein? Frérot, tu branles quoi avec l'Audi là? Non, j'ai pas vu. Oh, bah, rien pour le moment. Hein. Ouais, bah, justement, va gentiment prendre la place passager là. Allez hop. On y va? On se barre ou pas? Bagnole. Aïe mais putain! Attendez, je vais lui parler à toi. Ouais frérot! Bah ouais frérot, c'est mon Audi là, tu crois quoi là? Bah attends, je t'envoie une. Mon Audi là. Personne qui l'utilise et puis quand j'utilise tout le monde le c'est quoi ce bordel? Sam! Surtout parce qu'il y a que ça comme véhicule là. Et ton quoi, tu le prends pas? Bien sûr que si je le prends. Ah bah vas-y. Oh. Allez viens, on va se faire soigner. Ceux qui ont pas les Moonbeam là, venez dans l'Audi Helipod. Ouais, on va à l'hôpital Saint-Jacques. Et moi avec la cargaison, je sais pas. Quand tu rentres quartier, tu mets la ligne dans le coffre du milieu. Menottes et carte flicca dans le coffre soldat. Et les armes blanches, idem, faudra les vendre. Tu me barres là, on est d'accord. Ouais, retourne quartier. Et qu'il se fasse pas péter. Ouais, les chiens. Ça bouge pas, j'arrive. Vas-y. Du coup, il t'a dit quoi, Mehmet? Si, si t'as reçu ta récompense, oui, mais ça répondait pas à mes questions. Ah, bah alors deux. Bah, vu qu'il y a eu qu'un seul round de gagné, j'imagine que c'était qu'un Moonbeam, mais après, c'est j'imagine quoi. À chaque fois, ils ont des Moonbeam, c'est pour ça. Le Moonbeam, il était, quand il l'a chargé, c'était 100, sur 150, les gars, il était plein. Non, pas possible, il était anglais, ça pose trop de balles. Il avait 104 kg. Non, bah, c'est bon, il n'y a pas besoin de Moonbeam, alors c'est bon. Ok, nickel, bon, on se casse. Hey, gros bisous, Mehmet. Gros bisous, Peter. Go. Mehmet, tu vois pas que t'as 8 imitateurs sur le quad. Mehmet. Oh lui c'est repin, j'ai l'amendé. Comment là je... Égal. Non dis-moi, c'est chiant. Parle Mehmet, dis ce qu'on fait Mehmet. Oh putain il s'appelle Audi. Si je parle, je vais l'arracher le bordel. Qui Oh ça. Ouais dis-moi Manu. Ouais. Égal. On se barre, il est un peu... Hein? Il a mal pris, je crois, non? Non, il a pas mal pris, non. Mais c'est quoi, égal? Il a dit quoi? Ouais mais comment on le désactive? Justement, t'as fait sur égal. Je te mange de ce gag, mec. Merci. Ah, bah ok, c'est moi, j'ai compris. C'est amical, j'ai rien dit, je suis pas trouvé de police, monsieur. Gros, regarde, je suis enculé. Après, Moonbeam est vide, on s'en fout. Après, de ouf. Oh, what? Oh, les mots de tête qu'il a. Oh la dinguerie, frère, il m'a fait dinguerie le camp avec l'eau. Mais il tire pour les tout seul en fait, ça m'étonne. Je suis con. Je viens vous chercher au quartier là, Manu, pour aller à l'hôpital. Bah, allez, pour toi aussi. Ah, moi aussi, je vais à l'hôpital. Ouais, mais mec. Quoi? Attends, bouge pas, je te rappelle dans deux secondes. Ah,
Ah t'inquiète, je rappelle en deux secondes. Qu'est-ce qui se passe? Les gars, c'est qui a dit à Mehmet qui était gris? Mehmet des British ou moi? Non, lui frérot. Non, je le rappelle. T'as reçu un message? Ouais, il vient de m'appeler gros. Ouais, là tu te trompes, c'est pas nous frérot. Ouais, ouais, y'a un problème, ouais, y'a un problème. Ouais. Bah oui. Ouais, Mehmet. Ouais, je crois qu'il y a un problème frérot, c'est pas... J'ai voulu parler, mais j'ai vu qu'il était vénère, il s'est barré. Y'en a aucun de nous qui a dit que t'étais aigri, hein, frérot? Bah, je viens d'avoir la réacte de mes gars. Faut vraiment qu'on vende les armes. Ah, je vous jure, les gars, on a trop là. Mecs. Bah, je te jure, frérot, y'en a aucun de nos gars. Attends. Y'a aucun de nos gars qui t'a dit ça. Ouais. Je sais que Mehmet t'a dit un truc en turc avant de partir. Et puis il a essayé de te reparler un peu, il a dit que t'étais un peu vénère. Et puis il a parti quoi. Ouais, non, il va aller avant lui. Mais non, attends, quoi? T'es même pas dans le coffre, dans le Moonbin. Bah, c'est du turc, frérot, je parle pas turc. T'as dit quoi? Y'en avait pas dans le coffre. Attends, mais quoi? Oh frère, les a pris. Il m'a dit ça, frérot, je lui ai dit un truc en turc, je lui ai dit t'as dit quoi, il m'a dit ça voulait dire. Donc du coup je lui ai dit bah c'est bon, il a certainement pas mal pris. Et puis il a essayé de revenir te parler, il m'a dit mais il avait l'air un peu vénère, du coup j'ai pas insisté, je me suis rendu. Bah je te jure frérot, il a pris des dégâts. Pourquoi est-ce qu'on aurait dit ça? Quelqu'un cherche des paires de menottes, je les vends. Regarde, t'as vu. Attends, mais là, on l'a cramé, hein. Je suis sûr qu'il a des. Non, mais c'est fini, c'est plus les mêmes en plus. Non, pour le coup, vraiment sérieux, elle est pas dans le Moonbin. Ils sont dans tes poches. De quoi, Mehmet? Non, moi j'ai regardé le Moonbin, y'avait plus rien. Bah, non. Frérot, y'avait. De quoi? Elles sont pas dans le corps. Mais je crois que j'ai. Non, elles sont pas dans le corps. Non, mais frérot, c'est pas possible, je crois que tu te trompes de personne. Y'a plus déjà tout. Manu, y'a qui dans le Moonbin? Avec toi, Manu. Personne. Bah, frérot, il faut que tu me donnes des noms lorsque je vais leur en parler, c'est pas possible. Attends. Princesse. Manu, le c'est sûr, c'est pas Manu. Ah putain. Aiden Davis. Lesquels? Parce que je te jure, Mehmet, les gars dont tu me parles d'il y a bien des longtemps, c'est fini, gros. Terminé, y'en a plus un seul. Il reste qui? Il reste Requin, Charlie et Papa Ours. Et encore, Requin et Papa Ours sont jamais là. Mais tous les autres, c'est que des nouveaux, hein. Même moi, hein. Donc faut pas te tracasser. Mais dis que t'as un problème comme ça, tu fais bien de m'appeler parce que c'est. Y'en a aucun qui fait. C'est débile, on vous insulterait pas. Enfin, surtout toi, tu vois. Enfin, t'es un des ceux avec qui on s'entend le plus. Mais c'est normal. Oui, mais c'est gentil de truc, mais je te rassure, dans les personnes dans lesquelles tu me parles, t'en as plus une seule dans le groupe, hein. C'est fini, gros. C'est terminé. On s'est fait douiller. Parce qu'en plus, pourquoi est-ce qu'on t'insulterait, gros? T'es un des plus sympas, enfin, j'ai envie de te dire, c'est un peu débile, quoi, tu vois. Donc, tracasse pas, frérot, y a pas de malaise, il a juste dit un truc en turc, là, j'ai pas compris ce qu'il a dit. Puis il m'a expliqué, et puis c'est tout, y a pas eu d'aigri ou de machin ou d'insulte bizarre, quoi. Ça marche? Ah, nickel, même. Passe une bonne soirée, mon chef. Merci. Oh putain, je pense qu'il a bouffé, il était pas à l'aise. Oh les gars. L'embrouille de merde. Tu vois. Mais en fait. Merci. Attends, comment t'expliquer ça de façon claire, nette et précise? Tu te souviens qu'avant les hackers ils tuaient un peu la fille. Ouais. Et ils insultaient les Anglais pour plaisir à tout le bordel. Oui. Donc là en fait, ils pensaient que t'avais dit qu'il était aigri et mais en fait c'est une accumulation. Et il a dit il a dit mais frérot, t'es au courant que ce mec là il y en a plus un seul chez nous. Mais c'est que. Je crois que dès que c'est ce que je lui ai dit, mais il s'est calmé, il a compris, mais je crois qu'à mon avis il est dans une mauvaise passe. Parce que déjà depuis quelques jours il est pas au top de sa forme. Je t'ai dit frérot. C'est Peter. Bah, je sais, mais je te fais confiance. Il avait l'air vénère. Je sais pas c'est qui ce matin, mais il savait qu'il y avait un embrouille. Ah, il pensait que c'était moi en plus. C'est qui? Avec un scorpion. Ah. Oui, il pensait que c'était toi, vu que t'appelles Mehmet. En tout cas, ce matin, il y avait des gens. Mais je lui ai dit non, je lui ai dit frérot, Mehmet, c'est mon gars sûr, je le connais depuis 4 ans. Pourquoi ce matin? Bah, t'es dans le quartier tout. Oui, Sacha, il m'a dit. Ah, viens, on va à l'hosto, toi, t'as besoin là? Viens, on va à l'hôpital, là, qu'est-ce que vous faites là? Ouais, je sais pas. Bah, je sais pas, tu m'écoutes pas, non, je sais pas. Non, mais j'ai rien fait, frérot, je suis dans mon coin, je lui ai dit. Viens, Sacha! Come on. On se retrouve là-bas, Patoun?
Oh putain. Allez, hop. Bon allez, je distribue que les menottes que Manu... C'est bon. Mais Bon du coup, embrouille avec les Scampia. Tu disais quoi, Sacha, là? Bah, ce matin, comme j'ai dit... Genre, j'ai eu un peine d'arriver, tu vois, je me réveille. Je sais pas, je vois, bah je sais pas c'était qui ce matin, mais en mode... Des gens, ils se battent dans le quartier et tout. Donc moi, je suis ma vie tranquille. Oh, bon, les gars, on a vraiment soucis. Écoutez, c'est vraiment quelqu'un d'autre qui a pris les menottes. Je sais pas, quand je revois, il y a un mec en... C'est vraiment grave, les gars. Je sais pas c'est qui. Manu, c'est pas Manu. Genre en mode, apparemment, il a menacé de mort un scorpion. Bah, il y a quelqu'un qui a pris les menottes, les 4 menottes. Ah. Ouais, il a tout à fait bloqué d'après ce que m'a dit le scorpion. Bon, je sais pas c'est qui. C'est vraiment pas Manu, oui. J'ai apaisé la situation. Franchement, c'est honteux. Attends, mais mec, t'as reçu les 4 menottes? Bah, vraiment. Ouais, c'est bon, c'est bon. Je viens de les donner à quelqu'un dans la voiture, je peux te dire. A ton avis. C'est Sam, c'est bon, t'arrêtes de faire l'innocent. Merde. Trop tard, ça te prend un vendeur, on fait enculer. Non, il a vraiment mal pris, gros, mais à mon avis, c'est parce que je crois qu'il y a encore des histoires qui n'ont pas été réglées ou qui sont encore un peu... Ouais, c'est même être... Eh frérot, mais je lui ai rien dit, ça te dire, je lui ai dit, mot pour mot, je lui ai dit, je te mange le gag. Putain, Mehmet. Je te mange de ce gag et je... Mais te rentre pas au quartier. Hein. Attends, c'est buté, Mehmet. Mais non, je disais... c'est ce que je t'ai expliqué, j'ai fait frérot... Enfin, c'est Mehmet, quoi. C'est mon gars sûr, je le connais depuis 4 ans. Bah, c'est pas celui auquel tu penses et il a pas dit que t'étais aigri, frérot. 4 ans, c'est quand même un peu court. Hein. Bah, Mehmet et moi... Ça fait pas 4 ans. Avant d'arriver ici en ville, on était dans Tarkov, hein. Et si, ça fait 4 ans. T'es pas au courant de tout, moi, Sacha, t'inquiète. 4 ans, c'est bien. Putain, y'a les ch'tards. Ah non, j'aime pas. Non, je peux pas. Bah non, on s'en fout pas, frérot. Non, je peux pas. Si on voit, il... Ça se trouve, avec un peu de machin, genre, je tombe sur un policier qui me connaît, qui regarde ma tête. Bah alors, attends, dans la bagnole. Attends, je l'avais passé. Bonsoir. J'y suis là sur le site, frérot. Attends. Juan, t'es où? C'est au quartier ou quoi? Ok, je vais vous mettre de la glace. Ah, Juan, si tu m'entends, viens dans l'appartement, faut que je parle. Je vais passer de la glace sur le poignet. Mais il y a du son. Hôpital. Bonsoir madame, bah bonsoir. J'ai pris quelques coups, je me suis viandé un peu partout, j'ai quand même pas mal. Ok, je peux dire. Parfait. Merci ouais, madame. Y a pas de souci. Je vais mettre un peu de glace sur les hématomes avec un peu de pommade. Il y a moyen d'avoir un petit pansement Hello Kitty s'il vous plaît? Ouais, bien sûr, ouais, je vais faire ça. Incroyable. Je vais mettre des petits pansements Hello Kitty et un card. Parfait, comme ça. Nice. Non, oui, bonjour madame. Monsieur, pardon. La bagarre. La grosse bagarre, madame. Alors, du coup, je vais mettre un peu de glace, un peu de pommade, et voilà pour vous, monsieur. Vous êtes bien gentil, merci, madame. Y'a pas de soucis. Oh là là, il a fait une chute fatale avec son bénis. Écartez-vous, s'il vous plaît, sinon je vais devoir vous mettre à la TH, je préfère esprit, malheureusement, mais écartez-vous, s'il vous plaît. Merci. Respect. Ah ouais, je peux. Respect. Comment allez-vous, Dedou? Vous avez dit quoi, mes respects? Vous avez dit mes respects quoi? Monsieur. Putain, on connaît tout ça. Monsieur. Il vient de se passer quoi là? Eh ben, j'ai enlevé tous les véhicules. What? Eh bah... Putain, casse les couilles, frérot. Chut. Casse les couilles, casse les couilles. Chut. Mais chier de quoi, frérot? Oui, voiture. Ah ouais, toi, t'es un galérien, toi. Courrier, frérot. Non, wesh.
signalement de ma part, messieurs. Hein. Véhicule sans propriété égale véhicule en danger. Il y avait quelqu'un dans le véhicule. De quoi tu parles? Il y avait quelqu'un dans notre véhicule. Bah, il s'est volatilisé. Il a pris un vol pour Bamako, votre ami. What? C'est un magicien, mais c'est pas possible. Allez hop. Bon. C'est ça. Qui a mis tout en fourrière. Ça fait voler la voiture. Non, non, je sais pas, toutes les bagnoles sont allées en fourrière. Non. Là, c'est qui qui a mis les voitures à la fourrière? Vas-y les gars, moi je vais rentrer au quartier et puis je m'arrache parce que là ça m'a gonflé. Ouais, je comprends, frérot, t'inquiète. Oh, j'ai un vélo, Patoun, j'ai un vélo. Tiens, prends celui-là, frérot. T'inquiète, t'inquiète, je crois que j'en ai un. Ah, ok. J'en ai deux, j'en ai piqué un sur la route en blanc. T'inquiète. Oh le galérien. Bon, c'est pas grave, ça va me faire un peu de footing. Ouh. J'ai coupé la radio un peu deux secondes là, ça parlait trop machin, vieille embrouille et l'autre qui met les caisses à la fourrière là. Il y avait quelqu'un dans la caisse qui nous attendait et tout, mais vraiment genre. Je sais pas ce que c'est comme débile ça, mais bon gros débile. Hein. Par contre, s'il a mis toutes les caisses comme ça et tout, c'est que c'est un putain de staff, genre. On a 3 neurones, le frérot. Il a genre 3 neurones, en fait. Ouais. Attends. T'inquiète, la fourrière, elle est pas loin, là. Ça, c'est pas mal. Tombe par terre. Lève les mains. Attends, bouge pas. Vas-y. Je suis encore par terre. T'inquiète, t'embête pas. Par contre, le mec qui a fait des... Le mec qui a mis toutes nos caisses à la fourrière, là, c'est un staff? Je sais pas, frérot. Par contre, dis pas ça. Vas-y, tombe par terre, là. Et tombe par terre, frérot. Simule un AVC, là. Tiens. Non, simule un AVC, c'est toi qui dois tomber par terre. Ok. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a, Sacha? Non. Qu'est-ce qu'il y a, Sacha? T'es à l'hôpital, c'est ça? J'étais dans ma tête. Ah ouais. Ah, nickel! Sacha! J'arrive. Mais what? T'inquiète. Tu l'as rechargé, c'est bon? Nickel, merci Sacha. Merci. Je peux garder le vélo, hein, je l'ai piqué sur la route. Y'a qui à l'hôpital? Désolé, mais je t'entends vraiment pas radio, hein, t'as une voix tellement basse. Mais c'est pas si j'ai quitté vraiment. Ah là, je t'entends vraiment. Là, là, on t'entend très bien. Là. Ah ouais. T'entends quelqu'un à l'hôpital ou pas? Oh non, je suis rentré quartier. Ok, pas rentré quartier, c'est bon. Merde, qu'ils ont enlevé les Simpsons. Bah, c'est.
Franchement, c'est usant dans le coin. C'est vraiment un gros truc qui s'en tu vois, c'est pas un petit truc. C'est une entreprise qu'il a depuis le début, tu vois. De quoi? Bah, mais c'est ici. Tu vois, là, je comprends pas. L'entreprise depuis le début, et puis. Qui est là depuis le début de la vie, quoi. Alors que c'est un élément important. L'hôpital? Oui. Alors que là, ils ont mis ça en fait, qui s'appuie sa mère, il y a même pas de le truc, comment dire, ouais. Y a pas de scanner. Ah non, on est d'accord, ça pue la merde. Bon, là, la médecin, elle était face, elle était sympa, en vrai. Celle qu'on a eue là, mais la dernière fois, ça a duré longtemps. Il y a eu beaucoup de médecins du LSMC qui sont revenus là. Hein. Mais ils sont tous été répartis au LVMC ou soit. Il y en a qui sont morts dans l'attaque. Oui, il y en a qui sont partis. Ouais, quelques-uns, là, parce que je connais. Allez, testons, mes amis. Pas de dinguerie, s'il te plaît, je t'en supplie, pas de dinguerie. Là, je vais pas finir dans l'eau, j'ai envie de rouler avec un pote. Oui, j'ai. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? C'était vraiment limite. Arrêtez de vous cogner, putain. Bah attends, c'est qui qui cogne là? C'est qui le frérot? Ah, arrête, on sort de l'hosto, on sort de l'hosto. T'avances pas, mais par contre, toi, c'est Barry. Non, mais c'est pas vrai. Tirez. Tu fais quoi? Mais tu fais quoi, je tire? Putain, vous faites quoi? C'est Abdel et Barry, je allumez pas. Putain, mais ouais, mais faut dire. Oh putain, mais rentrez dans les. Ah non, les mecs qui a tiré, ils rentrent. T'es masqué. Frérot, je viens de me faire soigner, je peux déjà y retourner, quoi. Ah ouais, mais dis-leur pas de taper, c'est bon, Barry Chiron. Je sais pas, frérot, il vient juste d'arriver, mon Rafa. Ouais, il tape depuis tout à l'heure, ça y est. Ils ont pris la jugulaire en plus. Eh, sérieux, par contre, c'est pas nous. C'est notre jugulaire, c'est pas la nôtre. Ah, c'est pas la nôtre. C'est pas la nôtre, bah non, j'ai déjà fait dans le quartier des gens, en fait, ça. C'est la question. Des connaissances, des mecs qu'on connaît. Frérot, avec les problèmes de ville, j'arrivais pas à le voir tourner, j'ai raté 3 quarts des cartouches. Je sais, ça fait chier, je sais. J'ai pris tarif, voilà. Rentrez les ballons dans le garage. Du coup, on sort pas là, c'est ça? C'est moi, j'ai tiré. Celui qui a tiré. Pendant 15 minutes, ou alors dès qu'on a. Si on parle pas, c'est qualifique. Je suis à deux doigts de boiter, quoi, putain. Faut déjà retourner à l'hosto, frérot. Ouais, putain. Sacha à boîte. Franchement, ça mérite une exécution, ça, quand même. Ben, j'allais le faire, mais le gars littéralement se téléportait. En fait, je comprends pas, frère. Je suis blanche, parfois je suis noire. Attends, regarde là. Là, je me vois blanche, alors que parfois je suis noire. C'est vrai que là, t'es blanche. Je capte pas. Ouais, ça arrive par moment. Ça arrive même à Manu, ça arrive à tout le monde. Putain, t'as les yeux gris. De quoi, non? Ok, voilà, t'as les yeux gris. Non, j'ai les yeux bleus. Ok, alors c'est moi qui est fou. Bleu, ouais, bleu, gris. Puis même parfois, ça m'arrive de mettre des lentilles. Ok, je vois le délire. Ah, j'ai mal à la tête. Peut-être que je vais me coucher. Hein. Ouais, pareil. Hein. Bon, c'est pas que je vous aime pas, les frérots, mais ça va aller se coucher ici. Allez, bonne nuit. Et encore allez, GG pour Even, tout ça. Bonne nuit, tout le monde. Des bisous. Dors bien. Fais gaffe, moi je te suis de loin. Fais gaffe. Hein. T'inquiète. Ouais. Je te surveille. Vas-y, bisous les gars. Mais moi il faut que j'aille, les amis. Il est l'heure. Et... Demain je me réveille tôt. Bonne soirée. Bonne nuit à vous. Bon, on se casse pour demain pour la vente aux enchères. D'ailleurs, si vous voulez, pour la vente aux enchères, il y a une. Bon, c'était sympa comme tout.
On aura fait le test du jeu, on sera arrivé pile poil pour l'event, les bébous. Putain, on sera arrivé, mais à 22h02. On avait eu 60 secondes de retard, mais ça va. On était pile poil. Alors bon, j'espère que ça vous a plu. Aujourd'hui, on aura fait une première découverte de inscription. Ensuite, on aura fait petit react RP. Et on aura fait la découverte de HN. Bon, c'était moins folklore, mais en vrai, ça passe. En vrai, ça passe. Bon, c'était pas le jeu de l'année, mais ça va, quoi. Ça va. Bon, demain dans la journée, à mon avis, on sera sur GTA. Et le soir, on fait Halloween avec Bébou. Je me maquille, tout ça, incroyable. Ça va être fou. Caca culotte. Normalement, on est censé aller dans les backrooms et passer ce niveau qu'on n'a jamais réussi à passer pour accéder aux autres niveaux. Cela va de soi, c'est d'une logique imparable. Donc voilà, et puis pour vendredi, pareil, journée RP et soirée, on démarre la compétition Kaki qui va durer un mois. OMG. Ça va tryhard sec, les frérots. Ça va être tryhard sec. Bon, j'espère que ça vous a plu, le stream. Merci à Tozu d'avoir suivi le live. Bienvenue les nouveaux, merci les follow. Merci pour votre présence, tout ça. On s'attrape demain pour encore plus de gaming, de streaming, d'aventure du cul, peut-être un peu de react à voir. Je prépare les VOD rapido là, comme ça pour, tout le monde peut voir ce qu'il a raté, et ça c'est incroyable. Merci à Tozu. Passez une bonne nuitée. Ah oui, et fin de semaine, techniquement, on a la réponse pour le Bénis aussi, ça pourrait être cool. Comme ça, on est bon. Faut quand même que je fasse le quota pour cette semaine, comme ça, si je pars en bon terme avec le patron, mais je réfléchirai à un autre truc. Enfin, voilà. Bon, l'event était particulier, mais en vrai, j'ai kiffé. Ouais, c'était sympa. Mention spéciale quand même à l'event des Dougan, là, avec la filature, les photos et tout, ça c'était incroyable. Ah, mais là, bon, on est venu pour se faire tabasser la gueule, mais c'était sympa. C'était sympa comme tout. En vrai, c'était cool de leur part. Refaire tout ça, incre. Et du coup, à demain. Faites de beaux rêves, bonne nuit, tout ça. Merde. Des bisous, mon chose. Passe une bonne nuit. Et merci pour ta présence incroyable. J'espère que ça t'a plu. Merde.